Il y a Cléo, présentateur sur. Et tu sais pourquoi c'est notre présentateur qui est là-bas? C'est celui qui est partagé, tu crois? Ouais, c'est toi. Celui qui est partagé, c'est bon. C'est toi qui est partagé. Voilà. C'est ouais. Toujours le bon qui est partagé. D'accord. Là, c'est bon, ça marche. Ah ouais, c'était juste l'affichage. Ah, c'est bon. Non, mais sur le.
Qu'est-ce qui s'affiche en streaming, c'est pas le mode en streaming, c'est bon. Ouais. Sur le Zoom, c'est bon. C'est juste là où... C'est pas le mode. C'est le chat challenge. C'est plus bon. Quand t'as dit t'es bon, il a changé. Bon. Voilà. Toi, tu crois. Et là, non, je vais partager le point. Ah, je suis pas là. Ok, c'est bon. Il y a Pascal Thomas qui m'appelle. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. J'attendais sur l'autre lien, donc effectivement. Désolé pour ce retard. Je vous en prie, justement, vous n'êtes pas le dernier. C'est Monsieur Verroy et Dr Séguin qui sont bientôt là. Et Jean-Philippe est en retard, c'est étonnant, ça ne lui ressemble pas, ça. Je suppose que c'est moi. Bonjour à tous, bonjour au jury, bonjour à Simon. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite parce qu'on a déjà un petit peu de retard, en proposant aux rapporteurs d'exposer leurs conclusions immédiatement après la présentation de Simon. Simon, tu es prêt? J'espère. Ah ben, écoute, on t'écoute avec plaisir.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers maîtres, chers collègues, chers amis, merci d'être là aujourd'hui et de me permettre de vous présenter mon travail de thèse d'université qui a trait à la localisation de nodules pulmonaires en chirurgie mini-invasive assistée par ordinateur. En avant-propos, je dirais que le ciment de ce travail, c'est une collaboration étroite entre un clinicien et un ingénieur. L'ingénieur Pablo Alvarez, qui a soutenu sa thèse d'université un an avant moi, qui a été extrêmement rigoureux et moins procrastinateur que je l'ai été. Et donc, un clinicien, moi, qui a la conscience clinique de ce travail fondamental et pratico-pratique. Le cancer bronchopulmonaire, c'est un problème de santé publique majeur. C'est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme, la deuxième chez la femme. Le cancer qui est l'incidence la plus importante dans le monde et le cancer qui a le taux de mortalité le plus élevé. Cette assertion est à relativiser par la précocité du diagnostic. En effet, plus le diagnostic est précoce, plus tôt la maladie est dépistée et prise en charge, plus le pronostic est favorable au malade et permet la mise en place d'un traitement curatif, à savoir la réalisation d'une chirurgie. Pour cette raison-là, pour pouvoir diagnostiquer le plus précocement possible la maladie tumorale, les programmes de dépistage ont été mis en œuvre, principalement en Amérique du Nord et dernièrement recommandés en Europe, même si ça tend à avoir quelques difficultés à être mis en place. Le corollaire de ces programmes de dépistage, et donc plus de diagnostics précoces, ça veut dire également plus de diagnostics de nodules pulmonaires d'histologie indéterminée, histologie qu'il faudra déterminer, et la chirurgie a une place essentielle dans la détermination de ces diagnostics histologiques. Comment on réalise ces diagnostics histologiques chirurgicalement? Le traitement de référence, c'est la réalisation de résection atypique, ce qu'on appelle un wedge, ce qu'on voit sur la vidéo en bas à droite de l'écran. Cette résection atypique qui permet à la fois de retirer le nodule et à la fois d'assurer le traitement dans certaines situations et a posteriori, si c'est nécessaire, par le biais d'une analyse préopératoire, un examen extemporané, qui permet de réaliser une lobectomie si c'est nécessaire. Ces résections atypiques, ces wedges, maintenant sont quasi exclusivement réalisées par le biais d'une chirurgie mini-invasive, la vidéothoracoscopie, également appelée VATS, qui est l'équivalent de la cœlioscopie à l'étage thoracique. Dans certaines situations, on est confronté à quelques difficultés lorsque les nodules sont de petite taille, sont profonds ou sont faiblement denses, en particulier les nodules en verre dépoli ou les nodules mixtes. Dans ces trois situations, on a les difficultés à localiser les nodules pulmonaires. C'était moins vrai en chirurgie ouverte, en thoracotomie, parce qu'on était capable de palper avec entre l'index et le pouce, l'ensemble du parenchyme pulmonaire, pour savoir que notre tact est capable de différencier un micron, alors qu'en vidéothoracoscopie, malheureusement, ce n'est pas avec un petit orifice de trocar et un doigt qu'on passe entre les côtes qu'on est capable d'avoir la finesse que nous permettait la thoracotomie. En plus du fait que c'est particulièrement douloureux pour le chirurgien qui réalise ce geste. Une autre difficulté représentée par la chirurgie thoracique, c'est la création d'un pneumothorax. Lors d'une chirurgie orthopédique, par exemple, ou d'une chirurgie rachidienne en neurochirurgie, l'imagerie préopératoire est très similaire aux modalités préopératoires, c'est-à-dire qu'on a peu de changements, ce qui autorise un recalage rigide entre le préopératoire et le postopératoire. Ce recalage rigide n'est absolument pas possible en chirurgie thoracique, car au fur et à mesure qu'on met en place notre trocar et que le poumon est exclu, on a une modification des images avec une atelectasie, un prolapsus du poumon qui se rétracte sur lui-même. Et à ce moment-là, une imagerie préopératoire qui est plutôt la même que ce qui se passe dans la vraie vie en chirurgie. Pour ces deux raisons-là, des techniques de localisation ont été mises en place. Les techniques réalisées en pratique courante, dans la majorité des centres qui ont un exercice de chirurgie thoracique, c'est des techniques qui sont préopératoires, invasives, avec l'utilisation d'un scanner préopératoire qui est réalisé souvent dans l'heure qui précède la chirurgie. Donc, ce sont des procédures qui ont lieu sous anesthésie locale, avec un malade qui est réveillé la plupart du temps, avec une ponction transpariétale guidée par le scanner et qui nous permet de mettre en place des dispositifs de localisation tels que les hameçons, les lipiodoles, les coils,
avec dernièrement d'autres systèmes tels que l'indocyanine qui peut être localisé en paire opératoire. L'inconvénient de ces dispositifs de localisation, c'est qu'ils peuvent tout d'abord ne pas marcher, c'est-à-dire qu'on a un hameçon qui est mis en place, qui reste bien dans le poumon, mais en fait le point d'entrée n'est pas du tout la cible, qui est l'extrémité de l'hameçon et qui peut être très à distance par rapport à la présence de l'hameçon. D'autres situations d'échec, on a un hameçon qui était parfaitement en place, bien positionné dans le parenchyme pulmonaire en préopératoire. Le patient va en salle, est endormi, on crée le pneumothorax et malheureusement, l'hameçon reste dans la paroi thoracique. Fort de ces expériences désagréables, on s'est dit qu'il va falloir développer un dispositif annexe parce que quand même, on a des taux d'échec significatifs. Taux d'échec qui ne sont pas exclusivement rennais. Hein. Cette belle méta-analyse de 2017 qui a été publiée au tout début de mon travail de thèse d'université, retrouvait un taux d'échec de 6%, ce qui reste significatif pour une procédure invasive qui est censée nous aider. De même, c'est une procédure, des procédures qui ont un taux de complication non négligeable, l'hameçon qui est le plus couramment utilisé, un taux de pneumothorax plus d'un tiers des malades, un taux d'hémothorax de 16%. Quand on sait que c'est juste quelque chose qui doit aider pour aider la chirurgie, on dit que c'est un outil de localisation que l'on doit perfectionner. D'autres procédures sont apparues et se sont démocratisées depuis l'initiation de mon travail de thèse d'université, avec les méthodes de fibroscopie naviguée et dernièrement avec l'arrivée de robots de navigation endobronchique. Ça reste des procédures qui sont préopératoires. On fait certes au bloc opératoire, mais avant d'initier la chirurgie, avec une courbe d'apprentissage, il faut savoir maîtriser la fibroscopie pour pouvoir maîtriser correctement ces dispositifs de localisation et avec un taux d'échec qui reste significatif, un taux de succès de l'ordre de 60-70% pour les mini-sondes, 80% pour les fibroscopies avec navigation électromagnétique, et a priori, ils ont 90% de succès, mais quand même 10% d'échecs de localisation, ce qui reste significatif. Donc, fort de ces limites des dispositifs de localisation qui existent à l'heure actuelle, on a essayé de mettre en place, on a réfléchi à une procédure qui est strictement préopératoire, qui obéit à une unité de temps, c'est-à-dire pendant une seule anesthésie générale, contrairement au scanner préopératoire, unité de lieu, tout doit se passer au bloc opératoire, avec une procédure qui est strictement non-invasive et ne présente pas de taux de complication ni de modification du geste chirurgical. Donc pour ce faire, depuis 2012, on a une salle hybride de bloc opératoire qui nous permet de nous faire une imagerie préopératoire et donc une imagerie que l'on acquiert avec un pneumothorax. Et on a réfléchi à une procédure qui nous permettrait de faire figurer l'information du scanner pendant qu'on opérait en chirurgie en réalité augmentée. Quelle modalité d'imagerie nous offre la salle hybride? Donc, la salle hybride nous offre une capacité d'imagerie conventionnelle, fluoroscopique, mais surtout, et ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est l'utilisation d'un équivalent de scanner préopératoire qu'on appelle le cone beam computed tomography, le CBCT, qui est une modalité d'imagerie finalement assez similaire, car utilise un rayon X et permet d'obtenir une imagerie tridimensionnelle. Elle diffère du scanner par la forme du faisceau de rayon X qui est plate pour le scanner et qui permet une acquisition hélicoïdale. Et donc, on peut choisir la taille et la hauteur du champ d'acquisition pour le CT, ce qui n'est malheureusement pas possible pour le CBCT. C'est-à-dire qu'on est limité par la taille du capteur plan. Donc, on a un champ d'acquisition plus restreint et on le verra un peu plus tard. C'est partie des limites et des difficultés de l'utilisation de cette modalité d'imagerie. Et donc, fort de cette possibilité d'utilisation du CBCT, d'une cone beam computed tomographie, on a réfléchi à une approche donc strictement non-invasive, pair-opératoire, qui nous permet, dans un premier temps, d'acquérir des images avec poumon gonflé, poumon dégonflé avec un pneumothorax, qui nous permet, dans une seconde étape, d'effectuer un recalage, c'est-à-dire de faire figurer les informations préopératoires sur les modalités d'imagerie pair-opératoire et qu'elle soit vidéothoracoscopique ou CVCT. Et enfin, cette information, la faire figurer en réalité augmentée, pouvoir être utilisée par le chirurgien sans ajout de procédure invasive. Donc, cette première étape d'acquisition d'imagerie, c'était une étape cruciale parce que sans imagerie,
on ne peut pas localiser notre module en paire opératoire. Un des prérequis pour l'initiation de ce travail, c'est une déclaration auprès du comité de protection des personnes, parce que ça reste une étude clinique, certes non interventionnelle, car juste de l'imagerie, mais pouvant être pourvoyeur de complications, et donc doit satisfaire à des impératifs éthiques que nous a autorisé le CPP de Rennes à partir de décembre 2016. Donc, comme je vous le disais, cette procédure a lieu au bloc opératoire, dans une salle de chirurgie conventionnelle, conventionnelle pour l'atmosphère opératoire, mais un peu spécifique, car utilisant le CBCT, comme je vous le disais, avec un C-arm robotisé. Première salle qu'on a utilisée, c'est une salle Siemens, la salle Terra Image, qui a été utilisée de manière systématique jusqu'en 2019. Et à partir de 2019, de manière préférentielle, on a utilisé la salle D, équipée d'un C-arm, un statif également robotisé, mais moins encombrant, avec une suite logicielle un petit peu plus simple à utiliser, et avec plus de possibilités. Donc, on lui préférait, à partir de 2019, cette salle à la salle Terra Image. L'installation a dû être adaptée. L'installation classique du patient sur le côté en décutus latéral avec un appui sternal, un appui fessier n'était pas possible parce que les deux bords de la table opératoire devaient être strictement libres. Donc, on a eu recours à une installation avec utilisant un matelas coquille à dépression, comme on peut le voir sur cette imagerie. Avec le bras qui était mis non plus en abduction comme on le faisait de manière habituelle, mais le bras replié le long de la tête du malade pour éviter une nouvelle fois d'avoir à entrer en conflit avec le CIRM. De même, le champage a dû être adapté, surtout pour la salle Terra Image, parce que la vitesse de rotation du statif autour du malade avait une fâcheuse tendance à arracher les champs, voire les déstériliser. Du coup, plus le champ était rapproché, proche du malade et de la table opératoire, plus on était sécure en termes d'asepsie et de qualité de notre champage. Donc, à chaque fois, on avait droit à des acrobaties de nos collègues IBOD, qu'on remercie à chaque fois de se plier à ce difficile exercice. Donc, une fois les malades correctement installés, on effectuait des tests de rotation et une acquisition, un patient donc, installé en décutus latéral, mais toujours ventilé en bipulmonaire pour pouvoir tout d'abord recaler correctement, enfin, bien positionner le malade par rapport à notre champ d'acquisition. Comme je vous le disais, la taille de notre champ d'acquisition est limitée par la taille du capteur plan du C-arm. Et donc, il arrivait quelquefois, donc surtout pour les premiers malades, que le nodule se trouve en bordure de champ, voire plus du tout dans le champ. Donc pour éviter ça, on faisait une première acquisition, une voire plusieurs si c'était nécessaire, pour s'assurer du bon positionnement du malade et du bon positionnement du nodule dans le champ d'acquisition du CBCT. On verra par la suite que cette imagerie intermédiaire, ce CBCT poumon inflaté, CBCT inf, et avait également son importance pour faciliter notre étape de recalage. Une fois cette acquisition CBCT inflatée, patient pas encore champé, on débutait la chirurgie, on incisait le thorax, on mettait en place notre trocar, en l'occurrence des écarteurs d'Alexis. On crée un pneumothorax, comme je vais vous en parler plus tard, contrôlé, et on effectuait notre acquisition, cette fois-ci, en conditions chirurgicales, donc avec un pneumothorax, c'était CBCT, poumon déflatté. Sur les premières imageries, on a fait classique comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a laissé le poumon complètement sotélectasié avec aucun contrôle du pneumothorax. Et on s'est malheureusement aperçu que même si on aime bien en temps classique avoir un beau pneumothorax, un poumon bien déflatté, pas trappé, ça facilite considérablement la chirurgie, et bien en fait, notre imagerie était de très mauvaise qualité. Beaucoup de mobilisation du poumon, beaucoup de glissement entre les lobes, énormément d'atélectasie du parenchyme pulmonaire et une interprétation et une utilisation de l'imagerie qui est particulièrement délicate, voire impossible. L'une des solutions qu'on a trouvées, ça a été d'insuffler de l'oxygène dans la sonde de bronchocate, c'est-à-dire le côté qui normalement est exclu, qui ne ventile pas du poumon. Bah, dans cette lumière du bronchocate, on insuffle de l'oxygène à raison de 2 à 6 litres par minute pour gonfler suffisamment le poumon.
excusez-moi, pour gonfler suffisamment le poumon et avoir une imagerie qui est exploitable. Donc cette procédure, on a essayé une autre procédure pour essayer de pallier à ce problème de pneumothorax de trop grande abondance. Ça a été proposé par le professeur Thomas lors d'un comité suivi individuel de thèse. C'est-à-dire non plus cette fois-ci d'insuffler l'oxygène dans la sonde de bronchocate, mais d'insuffler l'oxygène directement dans la cavité pleurale, comme c'est le cas en célioscopie à l'étage abdominal. C'est-à-dire qu'on laissait le poumon ventilé et la pression de CO2 venait légèrement atelectasier le poumon et permettait une bonne ventilation et avoir un pneumothorax, comme je vous le montrais sur cette vidéo-là, un pneumothorax contrôlé. Voilà. Donc ça, c'était le pneumothorax qu'on en cherchait pour avoir une belle qualité d'imagerie. Malheureusement, avec l'insufflation de CO2, ça changeait nos habitudes, c'est-à-dire qu'on changeait nos trocars, on était obligé de mettre des trocars hermétiques, utiliser le CO2 si on n'avait pas l'habitude. Nos instruments changeaient aussi, notamment les instruments à préhension, les Maryland, les pinces endoscopiques. Et en plus de ça, pour l'étape de recalage, il y avait une très grosse déviation du médiastin et du heel qui rendait beaucoup plus complexe et beaucoup moins pertinent notre méthode de recalage. Donc, on lui a préféré la thérapeutique que je vous ai énoncée avec insuffisance d'oxygène dans la sonde de bronchocate et non plus dans la cavité pleurale. Ces acquisitions CBCT, cette procédure de localisation a été réalisée pour 50 malades, donc de décembre 2016 jusqu'à dernièrement février 2022, avec la plupart des patients qui ont des nodules envers des polypes, plus de la moitié ont des nodules envers des polypes, dont on sait que c'est finalement la finalité de ces utilisations de dispositifs de localisation. Les nodules étaient d'une taille moyenne, centimétrique, et d'une profondeur également centimétrique. Comme je vous le laissais présager, un des facteurs de risque de mauvaise qualité d'imagerie, c'est bien sûr la taille du pneumothorax. Plus le pneumothorax était important, plus les atelectasies étaient importantes, et moins le nodule était facilement visible. Et le corollaire de ce que je viens de dire, c'est l'obésité. Les patients qui sont obèses sont des patients qui également sont plus difficiles à ventiler. Et chez ces patients-là, on avait des imageries de moins bonne qualité, en plus du fait que c'était des images beaucoup plus artefactées et donc de moins bonne qualité. Pour les mêmes raisons, on a dû répéter le CBCT, majoritairement le CBCT déflaté, pour les mêmes raisons chez le patient obèse. L'imagerie n'étant pas interprétable, on préférait faire un nouveau CBCT qu'être confronté à un échec de notre localisation. Et donc, on optimisait les paramètres de ventilation, on augmentait un petit peu l'oxygène, le débit d'oxygène dans la sonde de bronchocate, et on attendait que le pneumothorax soit bien stable. De même, les localisations lobaires inférieures et localisations diaphragmatiques étaient des facteurs de risque de répétition pour les mêmes raisons, parce que ce sont les zones qui s'atelectasient plus aisément et qui donnaient des difficultés d'interprétation un second temps. Comme je vous le disais en préambule, la finalité de la réalisation de cette image préopératoire, c'est être capable à partir d'une imagerie préopératoire, même si on n'est pas capable de localiser le nodule sur l'imagerie préopératoire, être capable de présumer la localisation du nodule grâce à une méthode de recalage, c'est-à-dire que avec la modification de la position du malade, avec la modification de la modalité d'imagerie, c'est-à-dire qu'on passe d'un CT à un CBCT, et malgré la création d'un pneumothorax, on doit être capable, grâce à la méthode de recalage, de coller le nodule sur l'imagerie péropératoire. Donc, cette méthode de recalage a été permise par une division du problème en deux parties. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux déformations qui sont induites par la modification de la position, par la modification de la modalité d'imagerie, et notamment essayer de surmonter les difficultés du champ incomplet lié au CBCT. Et dans un second temps, la deuxième étape, estimer les déformations qui sont liées à la création du pneumothorax par de la chirurgie. Et donc, ces différentes interprétation et définition de déformation sont appliquées à un modèle en éléments finis, comme je vais le détailler.
Au préalable, comme je vous le disais, les imageries préopératoires ne sont pas optimales car très artefactées, en bordure de champ notamment, avec des artefacts de reconstruction, des cuppings avec des surestimations d'intensité de voxel en périphérie de champ, avec une sous-estimation en centre du champ d'acquisition. Et donc, on a dû mettre en place un certain nombre de mesures correctives pour optimiser les images et favoriser et faciliter le travail de recalage. Notre calage, donc comme je vous le disais, on s'attache dans un premier temps à estimer les déformations induites par le changement de position et surmonter les difficultés représentées par le changement de modalité d'image. Donc, on débute cette étape de recalage par la segmentation du poumon sur le CT, la segmentation du poumon sur le CBCT. On segmente également, reconstruit le rachis, qui va nous permettre une première étape de recalage rigide entre le modèle en élément fini obtenu sur le CT, sur le CPCT poumon déflatté. Donc, ce recalage rigide prend uniquement en compte les translations, rotations, et modifications de position qui sont affinées dans un second temps par un recalage élastique qui prend en compte les déformations plus complexes et utilise une méthode itérative de mesure de similarité. Une fois qu'on a recalé de manière rigide puis de manière élastique notre modèle en élèvement fini sur le CBCT poumon déflatté, on obtient un champ de déformation dans la limite du champ d'acquisition de notre CBCT, c'est-à-dire que la partie haute du poumon ou la partie basse, voire les deux, comme sur l'iconographie que je vous présente, par une information parcellaire, on n'est pas capable de présumer des déformations qui ne sont pas acquises sur le CBCT. Et alors que ces informations sont indispensables pour apprécier l'ensemble des déformations du tissu pulmonaire et pouvoir présumer dans la seconde étape de la position du nodule. Donc pour essayer de présumer les déformations du champ que l'on ne voit pas du poumon, il a fallu qu'on mette au point un modèle pulmonaire prenant en compte les différentes propriétés mécaniques et les différentes conditions de charge du tissu pulmonaire. Et donc, pour ce faire, un modèle poroélastique du poumon a été utilisé, considérant le poumon comme une association d'un milieu fluide, l'air, et d'un milieu solide, poreux, le parenchyme pulmonaire. Et grâce à ce modèle poroélastique, on a été capable de présumer du champ de déformation qui s'applique aux bordures de champ que l'on ne voit pas, et donc appliquer des déformations au champ de position estimées à l'ensemble de notre modèle en élément fini. Vient ensuite l'étape B, l'étape complexe de création du pneumothorax. C'est-à-dire que quelles sont les modifications, comment on va pouvoir recaler notre modèle en élément fini obtenu à la fin de l'étape A sur l'imagerie CBCT et présumer la position de notre nodule. La piste qui a été utilisée, c'est l'utilisation de la surface du poumon sur le CBCT qui est segmentée, qui va servir de zone de recalage, d'alignement de notre modèle en élément fini. On va lui appliquer un certain nombre de conditions limites, notamment au niveau du heel, dont on sait que c'est une zone qui bouge peu, qui doit être fixe sur notre modèle. Et donc, grâce à une méthode de formulation inverse du problème, grâce à des itérations modifiant notre modèle, les différents paramètres de notre modèle poroélastique, on a été capable de faire en sorte que notre modèle en élément fini s'aligne sur la segmentation de la surface du poumon en CBCT déflatté. Et une fois ce poumon, ces deux reconstructions alignées, on est capable de présumer la position du nodule, même si, en théorie, le nodule n'est pas visible sur le CVCT. Donc, pour s'assurer de la pertinence et de la reproductibilité et de l'efficacité de notre méthode de recalage, on a utilisé 5 de nos CT, CBCT inflatés et CBCT déflatés, pour vérifier la pertinence de notre travail. Sur ces 5 malades, sur ces 3 triplets d'imagerie, on a positionné un certain nombre de landmarks, de marqueurs, entre 20 et 50 pour chacune des imageries. Les positions clés
qu'on pouvait retrouver sur chacune des imageries, souvent des bifurcations bronchiques ou bifurcations artérielles ou veineuses. Et donc, pour l'étape 1, notre méthode de recalage a montré une très bonne efficacité d'alignement avec un TRI, un Target Restriction Error, qui est de l'ordre de 1,7 mm, ce qui est excellent et qui montre la précision et la pertinence de notre méthode de recalage. Qui, on le voit, notre recalage élastique montre une erreur de l'ordre de 1,7 mm, alors qu'un recalage rigide classique, en se basant uniquement sur le rachis, montre une marge d'erreur qui est bien plus significative. Pour ce qui est de l'étape B, on s'en doute, les marges d'erreur sont bien plus importantes car les déformations subies par le poumon sont majeures parce qu'il y a un nombre d'informations qu'on a estimées, notamment sur les bordures de champ qui n'étaient pas visibles, avec une marge d'erreur qui reste tout à fait acceptable de l'ordre du centimètre. Alors qu'en utilisant un recalage rigide basé sur le scanner ou même sur le CBCT acquis en début de procédure, une marge d'erreur qui est largement supérieure, qui est de l'ordre de 3 à 4 cm, ce qui bien sûr n'est pas utilisable ni acceptable en pratique clinique. De manière un petit peu plus concrète et visuelle, on voit que l'alignement de notre CBCT déflaté sur le modèle en élément fini est pertinent. On a une bonne appréciation de la déflation du poumon. Les landmarks, on le voit, ont une marge d'erreur qui est centimétrique, comme je vous l'avais montré sur la diapositive précédente. Et de manière pertinente et plus intéressante, et c'est la finalité de ce travail, on voit que la position estimée du nodule en violet et la position calculée en verte est très similaire, et ce qui donne une très bonne appréciation et estimation de la position du nodule grâce à notre méthode de recalage. Il y a une diapo qui a bougé, c'était celle que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi. Après, ça reste un travail préliminaire, c'est-à-dire que la finalité de ce travail, c'est pouvoir trouver un nodule pulmonaire qui est invisible sur le CBCT parce que la qualité d'imagerie n'est pas suffisante. Pour l'instant, on a testé cette méthode de recalage sur des imageries où le nodule était systématiquement visible. Mais la finalité du travail, ça ne va plus être de travailler sur un poumon avec un pneumothorax contrôlé, mais véritablement un poumon complètement déflaté. De même, notre méthode de recalage actuellement n'est pas applicable en pratique clinique courante. Le temps de calcul est particulièrement important, on prend plusieurs heures, notamment du fait des itérations liées à la formulation inverse du problème. Pour ce qui est de la précision, même si ça reste satisfaisant de l'ordre du centimètre, ça reste améliorable. Je pense que 5 mm, c'est beaucoup plus acceptable en pratique clinique. Même si on fait un wedge large, le but du wedge, c'est quand même économiser un maximum de parenchyme pulmonaire. Donc, plutôt que faire un wedge équivalent de segmentectomie, on préfère avoir un nodule correctement localisé et faire un wedge le plus petit possible pour avoir une économie parenchymateuse. Voilà pour notre méthode de recalage. Donc, comme je vous le disais, le fait que notre méthode de recalage ne soit pas encore utilisable en pratique clinique courante, l'imagerie CBCT a quand même permis de localiser de manière systématique pour l'ensemble des patients, à exception d'un malade, de localiser le nodule sur l'imagerie. Donc, une fois qu'on a notre imagerie CBCT déflatée, donc, en temps réel, c'est-à-dire sur le champ opératoire, on nous donnait la souris sous le champ et le chirurgien, l'opérateur, était capable de faire la segmentation lui-même du nodule pulmonaire avec une méthode assez simple de sélection de régions d'intérêt et d'un seuillage qui permettait d'obtenir un volume 3D de notre nodule pulmonaire. Donc, ce nodule, cette reconstruction 3D était ensuite intégrée directement grâce à la solution informatique de la salle hybride, que ce soit en salle Siemens ou en salle générale électrique. Et donc, cette imagerie, cette reconstruction 3D de nodule était directement intégrée à l'imagerie fluoroscopique en réalité augmentée. Et donc, pendant qu'on faisait notre procédure visothoracoscopique conventionnelle, on avait notre SIARM qui tournait autour du malade et qui, avec plusieurs acquisitions fluoroscopiques, qui permettait de correctement positionner notre instrument radio-opaque sur la projection du nodule. À partir de 2019, et avec l'utilisation de la salle D, on a permis d'avoir un feedback même de la position de notre,
de notre instrument. C'est-à-dire qu'une fois que l'instrument était positionné, on mettait un marqueur sur l'imagerie de la position du nodule, pardon, de la position de notre instrument. Et en vert, on voit la position de l'instrument. Et en bleu, la position du nodule qui a été segmentée. Donc, on sait, à partir de cet outil, le petit stéréo 3D, on est capable de voir où est positionné notre pince dans le volume 3D du CBCT. Donc, ce qui nous permettait d'être rassurés par rapport à la qualité de notre positionnement de pince. Une fois que la pince était correctement positionnée, on électrocoagulait la surface du poumon. On arrêtait l'insufflation d'oxygène pour que le poumon se déflatte un petit peu. Et ensuite, on réalisait la résection atypique, le wedge, de manière conventionnelle, avec un agrafage motorisé linéaire, type échelon ou type rando-GIA. Ensuite, le wedge réalisé était systématiquement envoyé en analyse extemporanée et notre équipe d'anatomopathologie nous précisait le caractère primitif pulmonaire, s'il le pouvait, le caractère tumoral ou non, et en fonction de ça, on réalisait la lobectomie si besoin il était. Donc, la procédure de localisation entre le moment où on incise le malade et le moment où le nodule est localisé, on arrête l'insufflation d'oxygène et on électrocoagule la surface du poumon, c'est inférieur à 15 minutes, ce qui est particulièrement intéressant quand on voit dans la littérature les alternatives, qu'elles soient scanner ou même CBCT. On voit qu'il y a des procédures qui utilisent le CBCT, mais pour placer des dispositifs de localisation invasive, comme j'ai parlé auparavant, c'est des procédures qui prennent plus de 30 minutes. Donc, ce qui témoigne de l'intérêt de notre dispositif. On a eu l'échec pour un malade, ce qui est tout à fait raisonnable quand on voit les 96% d'échecs des méthodes scanner qui sont le gold standard. À chaque fois que le wedge a été réalisé, les marges d'exérèse étaient satisfaisantes. On avait 100% de marge R0 pour les 49 patients chez lesquels le nodule était correctement localisé. Et 2/3 des malades avaient des lésions primitives et ont nécessité une lobectomie. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, les patients obèses avec des nodules lobaires inférieurs ou diaphragmatiques, c'est des patients chez qui on répétait l'acquisition CBCT, donc forcément le temps de localisation était plus long parce qu'il fallait regonfler le poumon, refaire une acquisition CBCT après avoir réoptimisé le débit d'oxygène dans notre sonde de bronchocate. Donc forcément, on augmentait notre durée de localisation. Donc, ce travail, même s'il est pertinent du point de vue clinique, même s'il est intéressant du point de vue fondamental dans l'état actuel des choses, il est perfectible, notamment en dehors des vitesses de précision et rapidité de calcul que j'ai évoquées ici avant pour notre calage. On aimerait limiter un maximum l'irradiation subie par notre malade, donc dans la mesure du possible, limiter le nombre d'acquisitions CBCT. C'est un des projets qui sont actuellement en développement avec l'utilisation du deep learning qui nous permettrait non plus d'utiliser un CBCT, mais seulement deux vues scopiques plus ou moins orthogonales pour réaliser l'étape A de notre méthode de recalage. Une autre piste explorée ici au LTSI, c'est l'utilisation de la paroi interne du thorax, de la cavité pleurale, qui nous permettrait de présumer de la conformation du poumon si le poumon était gonflé complètement à la paroi thoracique. Une autre limite que je n'ai pas évoquée précédemment de notre méthode de recalage actuelle, c'est considérer le poumon comme un tout et une seule entité. Or, on sait que le poumon, c'est l'association de deux lobes à gauche, trois lobes à droite, avec des scissures qui sont plus ou moins complètes, et donc une mobilité du parenchyme pulmonaire le long de ces scissures. Et ne serait-ce que la mobilisation, notre étape A, l'installation du ductus latéral et la ventilation mécanique entraînent un glissement important des lobes entre eux. Pour l'étape A, on a vu qu'il y avait des mobilisations, des glissements entre les deux lobes qui sont de plus de 2 cm, c'est un poumon qui reste inflaté. Et donc, on imagine bien qu'un poumon qui est déflaté, le glissement entre les lobes doit être considérable, largement supérieur à ces 2 cm chez un poumon inflaté.
Une autre piste et la finalité de ce travail, c'est évidemment la projection de la réalité augmentée, non plus directement sur l'imagerie fluoroscopique qui doit se surajouter au VATS, mais mettre le CBCT directement sur l'écran de lithoracoscopie. Donc là, vous voyez, malheureusement, ce n'est pas un thorax, ce n'est pas un poumon, c'est un foie avec une réalité augmentée, un tracking temps réel, un suivi des déformations subies par le foie. Et donc, j'espère, dans les années à venir, ce sera la finalité de notre travail. Donc, on a initié cette approche pour faire figurer le nodule en réalité augmentée directement sur la lithothoracoscopie et non plus sur la fluoroscopie. Mais ça prend un nombre d'étapes considérables qui nécessite tout d'abord une modélisation en 3D de notre cavité thoracique, du poumon sur le CBCT déflatté. Il faut calibrer l'endoscope. Que ce soit un endoscope 2D ou un endoscope stéréotaxique avec l'utilisation de mires de Charcot. Il faut également reconstruire en temps réel le chemin pris par l'endoscope, le recaler par rapport au modèle 3D, notamment l'utilisation de SLAM. Et on sait que c'est particulièrement complexe du point de vue algorithmique à développer. Et donc, bien sûr, la finalité, c'est... C'est ça, c'est-à-dire l'équivalent de ce que je vous ai montré sur l'imagerie du foie, c'est avoir une réalité augmentée directement projetée sur notre écran de vidéo droit. Donc, en conclusion, la méthode que l'on a utilisée pour localiser notre nodule, c'est une méthode qui est fiable, puisqu'on a 98% de succès, ça reste une méthode qui est rapide, deux fois moins longtemps que les procédures classiquement utilisées, et elle est non invasive. Donc, aucun patient n'a eu à souffrir d'une complication liée à notre procédure. Il n'y a pas eu de pneumothorax, puisqu'on cherchait un pneumothorax pendant la chirurgie, il n'y a pas eu d'hémothorax, ça restait strictement non invasif. On a une méthode de recalage qui est très prometteuse, avec une appréhension des formations et des mobilisations qui sont très pertinentes, et des déformations qui sont liées au pneumothorax, qui restent de l'ordre du centimètre, mais qui est prometteuse, et je suis sûr qu'on pourra améliorer. Ça offre beaucoup de perspectives, cliniques, et des perspectives fondamentales avec les travaux qui sont initiés par le projet ANR. Parce que à la fin de cette soutenance, ce travail ne va pas s'arrêter, et d'ores et déjà perpétué au LTSI, à Rennes, et donc à Grenoble avec l'équipe TMC, et à Strasbourg avec l'équipe Mimesis, avec des doctorants, postdoctorants, masterants qui travaillent sur ce projet, et avec un financement du gouvernement, de ces différents intervenants, mais également de matériel, avec l'acquisition d'une colonne 3D qui un jour, je l'espère, arrivera au bloc opératoire. Je conclurai mon propos en disant que c'est un travail qui a été fructifié, non seulement par cet ANR, mais par le biais de publications, un travail préliminaire, un travail intermédiaire, un travail fondamental, et en reviewing actuellement la série des 50 malades et le travail final de cette thèse d'université. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Simon. Et, déjà, je te félicite pour la qualité et la clarté de ta présentation. Je vais proposer peut-être tout de suite au rapporteur de ce travail de détailler un petit peu leur rapport. Donc, je propose peut-être de commencer par le professeur Anne Hollande de l'Université de Strasbourg, si elle m'entend. Sinon, par M. Stéphane Cotin, puisque je vois qu'Anne est occupée. Non, c'est bon. Pardon. Merci beaucoup déjà, en premier lieu, de m'avoir donné la parole, M. le Président. Et puis, Simon et tes encadrants de m'avoir invité pour faire partie de ce jury.
et pour en être le rapporteur, pour être le rapporteur de ce travail. Alors, je vais faire les choses de façon relativement classique, parce que souvent, sur un travail de thèse, il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'en restant, en gardant les catégories classiques de commentaires d'un travail comme celui-là, c'est là qu'on s'en sort le mieux comme rapporteur. Alors, sur la forme, j'ai aucun problème, bien évidemment. La présentation est très claire, elle est très bien faite. Par rapport à un travail qui comporte notamment un volet d'ingénierie et de développement informatique avec des formules, là on n'en voit qu'une seule sur le PowerPoint, mais il y en a plusieurs, donc travail écrit. Et effectivement, ça, même pour un non-averti du travail d'informaticien, de calculateur et d'intégrateur de physique vers le calcul informatique, ça reste accessible, on va dire. Moi, mes cours sur la transformée de Fourier sont très loin dans mon cursus, je m'en souviens plus si bien que ça. Et là, pour autant, je ne me suis pas perdue dans les explications d'intégration de calcul et de recalage d'image. Donc, merci. Ça, c'est pour la forme. Le document est très bien écrit, hein, il n'y a pas de problème, il se lit facilement. Il se lit d'autant plus facilement qu'il a fallu que je le lise un peu vite. Mais ça, c'est un commentaire que j'ai laissé dans la partie écrite du rapport. Mais tant mieux. Il se lit facilement, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ordonné, c'est... La présentation est claire, ça se retrouve dans le PowerPoint, donc je dirais que sur la forme, je n'ai pas grand-chose à dire, et c'est exceptionnel qu'on pose des questions sur la forme. Le fond, alors le fond, c'est, je trouve que c'est magnifique d'avoir fait un travail comme ça, parce qu'on s'est tous mis comme chirurgien sur des outils qui étaient disponibles, et on n'a pas repris les choses depuis le départ avec un ingénieur, un informaticien, un chirurgien, prendre l'imagerie, reprendre les choses dès le départ pour bien développer les outils qui devaient devenir spécifiques à notre discipline à nous, plutôt que de juste se greffer sur des choses qui étaient disponibles, pour ensuite faire les calculs et être certain de ce qu'on fait quand on va l'appliquer à la chirurgie thoracique et à chaque étape de la chirurgie thoracique. Et je trouve ça assez instructif, notamment pour des gens qui sont un peu plus âgés et qui sont plus loin dans le cursus, parce que ça nous rappelle quand même que on a essayé de faire des choses sur des repérages d'individus ou sur des repérages de vaisseaux, et que finalement, pour se simplifier la vie, on ferait mieux de reprendre le travail de thèse de Simon Rouzet et de l'appliquer à ce qu'on fait tous les jours ou à ce qu'on essaye de faire, et peut-être qu'on arrivera plus facilement à faire nos recalages en salle hybride qu'en essayant comme ça un petit peu en fonction de ce qu'on a à disposition. Ça, c'est mon premier commentaire, et finalement, c'est plutôt quelque chose de positif dans ce travail, je trouve, que d'avoir fait cette démarche-là. Après, là où j'avais un peu de problème, mais finalement j'ai mieux compris avec le PowerPoint, c'était pourquoi vous renonciez définitivement au harpon et au repérage du nodule en même temps que vous étiez dans la salle, parce que finalement, maintenant, vous avez une unité de temps, de lieu, une seule anesthésie générale, et finalement, la plupart des taux d'échec qu'on voyait sur les techniques de repérage, c'est parce que d'abord, il y avait un repérage, ensuite, on déplaçait le malade, et ensuite, on avait le geste chirurgical. Donc, il y avait tout un espace de temps mort, de boîte noire, pendant lequel on ne sait pas trop ce qui se passe avec le repérage. Et effectivement, on perd. Et je pense que les hémorragies, les pertes de harpon, les taux d'échec de repérage, soit par harpon, soit par un fiduciaire ou par un autre moyen, étaient probablement dus à cette espèce de temps mort. Alors que maintenant qu'on a l'unité de temps et l'unité de lieu, peut-être que finalement, le repérage du nodule, ce n'est pas l'étape la plus cruciale. D'autant plus que, et c'est ce qui va apporter ma question finalement pour ce travail, finalement, les nodules qu'on va repérer par l'apport du dépistage vont être de plus en plus petits, ou du moins les nodules qu'on va avoir besoin de diagnostiquer. Il va y en avoir des quantités importantes, je pense, notamment avec la mise en place des dépistages. Alors, avec les équipes de radiologie interventionnelle, je pense qu'il y a un certain nombre de types de nodules qui seront quand même accessibles, malgré leur petite taille, à simplement un geste de radiologie interventionnelle. Mais il y a un certain nombre de nodules sur lesquels il faudra qu'on fasse un diagnostic. Et en plus du diagnostic, si le diagnostic est positif, on arrivera non pas sur une lobectomie, parce que les nodules seront petits, mais on arrivera sur une segmentectomie. Et le problème de la segmentectomie, ce sera le repérage, pas tellement du nodule lui-même, mais des éléments hilaires du segment qui sont à disséquer. Et là, je pense que Agathe pourra certainement faire un commentaire aussi plus tard dans la discussion, parce que ça devient très dommage pour des nodules de 3-4 mm d'enlever des pyramides basales entières. Il faut faire un segment unique et il faut repérer l'artère, la veine. L'élément important, ce sera la veine. Et évidemment, pas se tromper de bronche. Donc, ma question est double. Pourquoi avoir renoncé finalement ou pas avoir essayé quand même
de garder un repérage de modules qui serait resté mécanique, parce que finalement, avec l'unité de temps et de lieu, on n'est plus tellement géré par le temps mort, qui était très probablement pourvoyeur du taux d'échec. Et pourquoi ne pas plutôt s'être concentré, alors peut-être que c'est inhérent à la salle elle-même, hein, ne pas plutôt s'être concentré sur le repérage d'un heal de segment et d'un recalage d'image pour les heals de segment que sur le module, qui, je pense, n'est pas finalement plus trop le vrai problème. Donc, il y a plusieurs questions. Merci tout d'abord de ces commentaires sur ce travail. Merci beaucoup d'avoir participé à l'évaluation de ce travail et d'avoir accepté d'être rapporteur. Est-ce qu'il, donc, si j'ai bien compris, il y a deux questions en une. C'est pourquoi ne pas localiser le nodule avec manière classique sur la salle hybride, puis sur le CBCT pour mettre en place un harpon, un coil ou injecter de l'anaphénine. Et pourquoi ne pas utiliser les possibilités du CBCT pour faire une reconstruction des éléments vasculaires. La première partie de la question, j'y répondrai parce que ça reste une thérapeutique invasive, injecter un harpon, faire une ponction transpariétale, et ça reste quelque chose qui prend du temps. Dans la littérature, les procédures qui sont faites non plus en scanner mais en CBCT sont des procédures de localisation qui prennent 30 à 60 minutes, alors que nous, on voit avec notre méthodologie, on a un temps de localisation qui est de l'ordre d'une quinzaine de minutes. En plus de ça, ça ne change à rien nos habitudes chirurgicales. En dehors de l'installation et de la maîtrise de la salle hybride, et on n'a même pas besoin de la maîtriser puisque maintenant on a la chance d'avoir une manip radio qui connaît bien mieux la salle que tous les chirurgiens réunis. En fait, ça ne change rien nos habitudes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de ponction transpariétale, on n'a pas à faire de fibroscopie, on a juste à créer un pneumothorax contrôlé, à faire une acquisition et positionner notre pince. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage de ponction transpariétale, de repérage itératif. Et dans la littérature aussi, ces procédures qui sont faites en salle hybride, cette mise en place de harpons en salle avec le CBCT, sont des procédures qui sont finalement assez irradiantes, parce que nous, on a fait 2, 3, exceptionnellement 4 acquisitions CBCT, alors que pour les patients à qui on met un harpon, on fait bien plus d'acquisitions, et ce d'autant qu'on est en début d'apprentissage et de maîtrise de la salle hybride. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'irradiation, de courbe d'apprentissage, de simplicité du geste opératoire, on a préféré faire notre méthode qui finalement est très simple et facile à appréhender. Pour ce qui est de l'appréciation des éléments hilaires, la grosse limite de la segmentation des structures lors d'un CBCT, je pense, c'est d'une, la télectasie importante du poumon, et de deux, dès que l'on mobilise notre tissu pulmonaire, l'acquisition CBCT n'est plus viable. C'est-à-dire, l'acquisition CBCT, la modèle d'imagerie, elle est acquise à un instant T, avec un poumon dans une conformation bien définie. Alors que quand on va commencer à disséquer les éléments hilaires, disséquer le poumon, on va avoir besoin de le mobiliser, de le disséquer, et à ce moment-là, l'acquisition CBCT ne sera plus pertinente. Et donc, à moins d'avoir un tracking temps réel, d'avoir un suivi des structures vasculaires et de segmenter les éléments vasculaires, ce qui est particulièrement difficile sur une imagerie non injectée comme on l'acquiert habituellement en salle hybride, malheureusement, ça ne me semble pas envisageable. C'est aussi une des limites des systèmes de navigation qu'on utilise, enfin, un système de reconstruction et de planning préopératoire qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est un planning qui est utilisé sur le scanner préopératoire avec un poumon inflaté dans une conformation bien définie. Et malheureusement, on ne peut pas le recaler de manière rigide sur ce qu'on voit à l'écran de BAT parce qu'il y a toutes ces déformations, ces mobilisations, cette atélectasie. Et donc, peut-être qu'un jour, on y arrivera à mettre en place une réalité augmentée permettant de repérer l'artère de Nelson, la veine du S3 et la branche B1. Mais à l'heure actuelle et dans la limite de nos possibilités d'acquisition d'imagerie, de segmentation et de tracking temps réel, je pense à 20 ans, 10 ans, 5 ans, enfin, je ne peux pas le dire, mais c'est pour l'instant... C'est la science-fiction. Donc, en fait, en gros, vous avez un problème, enfin un problème, non, mais
c'est intrinsèquement les limites du CVCT et c'est un problème de mobilité-immobilité par rapport à l'image initiale. Quoi. Exactement, tout à fait. Bon. En tout cas, moi, je n'ai rien à redire sur ce travail parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprend vraiment les fondamentaux, hein, étape par étape, entre l'intégration de la science physique fondamentale, je dirais, entre les modèles élastiques du parenchyme, l'intégration au développement de l'imagerie et finalement la fusion avec la chirurgie elle-même. Et je te féliciterai simplement pour avoir mené ce travail parce que ce n'est pas évident d'être tout le temps en train de naviguer entre le laboratoire et le calcul de l'image et de l'informatique et puis la mise en pratique directe de façon à ce que ça se passe bien pour un patient finalement en bloc opératoire à partir d'un calcul fondamental comme cela. Et puis j'ai pas d'autres questions à te poser sur ces différents points. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Et puis très bon développement pour la suite et je pense qu'effectivement c'est comme tu le dis, il y a encore pas mal de travail à faire pour développer les choses point par point et avoir des bases saines à partir desquelles on pourra dérouler tout un éventail de techniques et d'applications directes possibles sans trop d'encombrement pour les patients. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne. La parole est maintenant à M. Stéphane Cotin, directeur de recherche équipe Mimesis à Strasbourg, le second rapporteur. Ben, bonjour à tous déjà et un grand merci à Simon d'une part pour m'avoir proposé d'être rapporteur de ce travail et puis aussi à Jean-Louis pour m'avoir permis en fait, de rejoindre cette problématique qui est l'assistance pendant la chirurgie du poumon, problématique que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques années et que je découvre progressivement au travers de toute la complexité en fait, qui se cache dans cette chirurgie. Nous, on a beaucoup travaillé dans le passé sur la problématique de la chirurgie du foie et de comment fournir des outils d'assistance pendant cette chirurgie. Je pensais que c'était quelque chose de très complexe. Je me rends compte que la chirurgie du poumon l'est bien plus. Et donc, je voulais déjà te remercier pour à nouveau nous avoir permis, moi et mon équipe, de rentrer en fait dans ce sujet. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ton manuscrit, d'une part parce qu'il vient en complément de ce que j'avais pu dire dans la thèse de Pablo Alvarez, qui abordait plutôt les aspects techniques, bon, c'est normal, scientifique. Là, j'ai appris plus de choses sur les contraintes cliniques. Donc, avec ces deux thèses, j'arrive à peu près maintenant à cerner le sujet, le vaste sujet de comment on peut vous fournir de nouveaux outils pour vous assister pendant ces interventions. Alors, j'avais une question qui a été finalement posée juste précédemment, parce qu'effectivement, quand j'ai lu le premier chapitre de ton manuscrit, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vraiment mettre à la poubelle ces approches basées marqueurs? Bon, j'ai compris dans la réponse précédente que finalement, aujourd'hui, on pourrait très clairement s'en passer. Mais on pourrait s'en passer sous la condition, si j'ai bien suivi, de pouvoir réaliser ce pneumothorax contrôlé qui te permet de continuer à visualiser le nodule. C'est bien ça? C'est bon. Et donc, ma question par rapport à ça, c'était de savoir finalement ce que rajoute en temps et en complexité la réalisation de ce pneumothorax contrôlé. J'ai l'impression que c'est une super idée. Mais tu as évoqué plusieurs fois dans ta présentation que tu souhaitais t'en passer. Et en fait, là, c'est vraiment une question de non-expert. J'aurais voulu comprendre mieux pourquoi ça peut être vraiment intéressant de s'en passer. Alors, en fait, le problème du pneumothorax contrôlé, c'est que ça change significativement nos habitudes. C'est-à-dire qu'en temps normal, on laisse le bronchocate ouvert, donc là, son intubation côté poumon, ce qu'on veut travailler, ouverte, et le poumon s'atélectasie complètement. Et plus le poumon est atélectasié, plus il est facilement mobilisable, dissécable, et plus on rasise avec aisance notre résection atypique. Et donc, je pense que l'intérêt d'un dispositif de localisation et d'une aide opératoire,
c'est justement quelque chose qui ne doit pas impacter, qui finalement ne change rien à nos habitudes. Et là, ça change significativement nos habitudes. Et la lenteur et la longueur du moment de localisation, de cette procédure de localisation, en fait, est impactée par la qualité de l'imagerie. Et on a, je pense, entre 15 et 20 anesthésistes au bloc opératoire. Et à chaque fois que je faisais une manip, à chaque fois que je faisais une acquisition au bloc opératoire, je devais réexpliquer à l'anesthésiste, quand il n'était pas là, ce qui malheureusement arrive de temps en temps, demander au collègue IAD de la manip, c'est-à-dire bien gonfler le poumon, remettre l'oxygène, varier le débit. Et à chaque fois, le débit varié, ma patiente lente, ça restait quand même assez empirique comme façon de faire. C'est pour ça qu'on avait essayé de trouver une alternative qui avait été proposée par le professeur Thomas, c'est-à-dire plutôt que de s'enquiquiner à faire une insufflation d'oxygène, laisser le poumon ventilé en bipulmonaire, comme ça, l'anesthésiste n'avait rien à changer à ses habitudes, et utiliser le CO2. Par contre, pour nous, ça a changé significativement une nouvelle fois notre habitude, et on ne pouvait pas utiliser tous nos instruments, et pour le recalage, Pablo a montré des mobilisations du médiastin et de l'huile qui étaient bien plus importantes que l'utilisation de l'O2. Donc, je pense que l'intérêt de se passer de l'insufflation d'oxygène, c'est gagner du temps, parce que finalement, on reste facilement 2-3 minutes expectatifs pour s'assurer que le thorax est bien stable. Parce que même si on insuffle de l'oxygène, même si le poumon reste un petit peu gonflé, au bout d'un moment, des fois, ça arrivait que le poumon continue à s'électasier. Et même des fois, entre le moment où on faisait l'acquisition CBCT pour mon déflaté et le moment où on recommençait à opérer en mettant notre endoscope, on avait des fois le pneumothorax qui avait augmenté ou qui avait diminué. Et à ce moment-là, notre acquisition CBCT qui était plus pertinente par rapport à ce qu'on voyait dans le champ opératoire. Donc, un poumon complètement déflaté, statique, qui ne change pas, avec une belle atelectasie stable dans le temps, ça nous simplifierait encore une fois plus la vie. Après, la limite de ça, comme je l'avais formalisé dans ma présentation, c'est qu'actuellement, quand une atelectasie trop importante du poumon, non seulement on n'arrive pas à interpréter les images, mais notre procédure de recalage n'est pas pertinente. Les déformations sont trop importantes, les images sont trop artefactées, on n'arrive pas à faire la différence entre parenchyme pulmonaire et structure médiastinale. Donc finalement, quand le clinicien est embêté, l'ingénieur et mathématicien est aussi embêté. Oui, mais merci de cette précision, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un compromis encore à trouver entre finalement ces différentes idées, où effectivement, voilà, le dernier point là, que tu viens de mentionner est quand même très embêtant pour toutes les méthodes qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce que basé images, et dans ces images, effectivement, on perd beaucoup d'informations quand le poumon est complètement dégonflé. Et je me posais la question dans ton introduction, on va dire, tu as aussi mentionné quelques systèmes robotisés, en passant assez rapidement sur, on va dire, leur mode de fonctionnement. Est-ce que, à nouveau, dans l'esprit de peut-être essayer de ne pas se reposer que sur des données images, parce qu'à nouveau, on voit que derrière, ça complexifie le travail. Est-ce que combiner, donc si on n'utilise pas des marqueurs, est-ce que combiner imagerie et robotique, ça pourrait être une piste à envisager? Et comment, peut-être plus précisément? Alors, est-ce que prendre en compte la robotique en chirurgie thoracique, c'est pertinent? Oui, évidemment, parce qu'on voit que la chirurgie robotique, les rats, prend un essor considérable en chirurgie thoracique. Pour la chirurgie du médiastin, mais également pour les chirurgies parenchymatoses. Après, intégrer deux consoles Da Vinci, l'encombrement des bras robotiques avec l'encombrement du CBCT, le statif, que ce soit en salle terramage ou en salle D, je pense que déjà que les anesthésistes s'arrachent les cheveux quand ils sont dans l'une ou l'autre des salles, je pense que si on combine les deux ensemble, je pense que l'anesthésiste ne sera carrément plus du tout présent en salle. Je peux te préciser un point. Dans la partie robotique, je pensais plutôt à l'utilisation là, d'une. Alors, je ne sais pas si on appelle encore ça un endoscope flexible, mais voilà, ce genre de stratégie qui permettra en fait.
j'avais l'impression de fournir un équivalent de ta pince qui vient par l'extérieur du poumon pour, on va dire, géolocaliser le nodule, mais plutôt, du coup, maintenant par l'intérieur du poumon. Est-ce que ce genre de choses. Alors là, pour ce qui est de cette chirurgie robotique, oui, tu viens de décrire le robot Ion de Da Vinci, C'est ça. c'est l'endoscopie robotisée qui est déjà, qui a été marquée FDA. Il y a à peu près 2000 malades qui ont été opérés avec le robot Ion et qui ouvrent des perspectives et un champ de possibles qui est considérable. Parce que non seulement ça permet de faire un diagnostic, que le nodule soit ilaire ou que le nodule soit sous-pleural, théoriquement, ça fait partie des possibilités de ce robot. Et on peut faire non seulement un diagnostic, c'est-à-dire on fait des prélèvements à la pince ou à l'aiguille, on a notre histologie qui est présente dans la salle, qui nous dit que c'est un carcinome micro-invasif ou invasif. Et en fonction de ce qu'on va nous dire, à ce moment-là, on pourrait être capable de faire en un temps les traitements, soit un traitement endobronchique avec la cryoablation, les radiofréquences, les ondes, que l'industrie GNG et Medtronic ont des sondes qui permettent les ablations endobronchique des tumeurs, ou si la lésion est trop importante, ou si clairement elle est invasive, ou si on veut avoir une chirurgie conventionnelle, le faire dans la foulée avec un diagnostic et pas s'embêter à avoir une procédure de localisation complexe et qui rajoute du temps chirurgical. Donc oui, clairement, ce robot Ion, c'est quelque chose qui est fondamental dans les années à venir, qui, je pense, les premiers centres qui auront un train d'avance. Donc, on a bon espoir de pouvoir en bénéficier un jour à Rennes. Ah, très bien. Alors, en restant un tout petit peu plus proche finalement de la stratégie actuelle, qui marche finalement bien, tu l'as dit, quand on regarde quand même voilà, l'ensemble des étapes qui s'enchaînent, il y en a qui restent aujourd'hui manuelles. Peut-être qu'après quelques années, elles te paraissent finalement peu complexes, mais j'imagine que si quelqu'un, par exemple, devait essayer de reproduire finalement ton protocole et essayer d'utiliser ces mêmes approches dans une autre salle d'opération, même équipée identiquement, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, la question, elle est autour de l'automatisation, la simplification, en fin de compte, de la procédure actuelle. Est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait être fait pour finalement pas améliorer le résultat, mais simplement le rendre encore plus utilisable par d'autres personnes? Je pense que c'est un enjeu, si on croit vraiment que cette stratégie fonctionne, et ce que tu as montré va dans cette direction-là, comment on peut rendre ça utilisable par d'autres assez rapidement, sans 3 ans d'apprentissage? C'est une question à laquelle je vais avoir beaucoup de mal à répondre parce que, comme tu l'as très bien énoncé, effectivement, c'est quelque chose que maintenant on fait au fil de l'eau, qui finalement l'intervention manuelle, en mettant à part l'étape de recalage qui est actuellement pas utilisée en pratique clinique, mais en prenant l'étape 1 et l'étape 3 que j'ai énoncé dans la présentation, finalement, la seule intervention manuelle, c'est la segmentation du nodule qui est très rapide et qui peut être faite. Au début, c'était moi qui l'avais parce que j'aimerais bien avoir le contrôle sur tout ce qui se passait. Mais au final, maintenant, c'est la manip radio qui, dans sa petite bulle, me fait la segmentation. Et ça dure quelques secondes. Donc finalement, je pense que l'étape la plus cruciale, qui est plus chronophage comme protocole, plutôt qu'une automatisation d'interprétation des images, c'est, je trouve, on y revient, hein, c'est le pneumothorax contrôlé. C'est ça qui prend le plus de temps et qui impacte le plus sur la fluidité de dispositif de localisation. Et donc, la solution à cette limite est
à cette variabilité interindividuelle et même opérateur, ça va être le recalage. Et donc, les ingénieurs à venir, doctorants et post-doctorants, qui travailleront sur ce projet. J'en ai vu plusieurs qui suivaient ta présentation. Je pense que le message est bien passé. Je voulais revenir du coup sur la façon dont aujourd'hui du coup tu localises le nodule en utilisant donc le recalage puis la pince posée sur la surface du poumon sous contrôle fluoroscopique. Cette image fluoroscopique, c'est une projection en 2D d'une anatomie 3D. Et donc, si le nodule est assez éloigné, est assez profond, je ne sais pas comment on doit dire, dans le poumon, est-ce qu'il reste encore des incertitudes sur sa localisation précise au moment de la chirurgie? Parce que voilà, dans l'image, il est sous la pince, mais peut-être qu'il reste quand même ensuite à vraiment réussir à le retrouver pendant l'intervention elle-même. C'est effectivement une limite significative de ce travail. C'est-à-dire que finalement, ça marche bien pour les patients sur lesquels on peut faire une résection atypique, c'est-à-dire un wedge. Et finalement, ces wedges, on les propose aux patients qui ont un nodule assez superficiel. Dès lors que le nodule devient un peu profond, soit on utilise une procédure de biopsie localisation alternative, typiquement une fibroscopie naviguée, qui vient en complément de notre travail, soit maintenant, de manière plus systématique et beaucoup plus fréquente, c'est une segmentectomie anatomique. C'est-à-dire que plutôt que faire un gros wedge pas anatomique avec des troubles de ventilation, des problèmes de vasculation, de déchirure de ligne d'agrafe, les nodules profonds, en fait, ce n'est pas des résections qu'on doit wedger, c'est vraiment, maintenant, on essaie de faire de manière plus systématique une segmentectomie anatomique. Donc, on s'est fixé maintenant comme un des critères d'inclusion dans notre travail, c'est que le nodule il soit situé dans le tiers externe du poumon. Dès lors qu'on dépasse le tiers externe, il ne faut pas faire de wedge. Une localisation CBCT, ce n'est pas un dispositif pertinent. D'accord, d'accord. Je terminerai peut-être juste avec ce point-là sur la segmentectomie, parce que ça a été aussi posé comme question précédente. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, si on est capable d'afficher en réalité augmentée le nodule lui-même, on sera capable d'afficher les segments et toute l'anatomie du poumon. En fait, finalement, le problème est le même que l'on cherche à afficher une ou plusieurs structures. Voilà, on n'y est pas encore, mais je pense que le jour où on sera en mesure de suivre en temps réel la position d'un nodule, on sera probablement en mesure de visualiser aussi le segment dans lequel il faudra faire la résection. Je crois que ça, c'est que tu avais l'air de dire que c'était du très 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 long terme et à mon sens, ça reste la même échéance. Alors, je ne saurais pas lui mettre une date dessus, mais que le suivi en temps réel du nodule, je pense que c'est, voilà, on sait aujourd'hui reconstruire en 3D l'anatomie du poumon et si on est en mesure de, en temps réel sur une image, relocaliser, recaler le nodule, on serait en mesure de le faire sur d'autres structures anatomiques. Donc voilà, on va peut-être y arriver. Je terminerai en te remerciant encore pour ce super travail. Bon, je sais que Pablo y a contribué aussi, mais j'ai vraiment apprécié à nouveau l'éclairage plus clinique et puis ces perspectives là dont on vient de parler. Donc voilà, merci encore et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter les commentaires des examinateurs non rapporteurs. Docteur Agathe Seguin-Givlet, qui est maître de conférence universitaire Paris 13 et chirurgien thoracique cardiovasculaire à l'IMM. Alors, je ne te vois pas, Agathe, mais je sais que tu es sur place. Oui, t'écoutons. Merci Monsieur le Président, merci Simon pour ce travail. Je commence par te féliciter pour la clarté du manuscrit et puis de ta présentation aujourd'hui. Et après, j'ai néanmoins quelques questions.
si le président m'en donne le temps, qui vont porter un peu des questions sur le fond de ta thèse, ouvrir des perspectives et puis un petit message un peu plus personnel à la fin. Les questions sur ta thèse, je pense qu'il faut qu'on commence à changer notre mode de réflexion. Et à mon avis, le grand changement que tu as initié en utilisant une salle hybride, c'est de créer l'unité de temps et de lieu. Et je crois que, bien que là, je te félicite pour la persévérance de pousser jusqu'au bout ce travail-là, il faut néanmoins peut-être réfléchir à utiliser la salle hybride dans toutes les possibilités qu'elle t'offre et t'offrir cette possibilité de peut-être mettre quand même un harpon, peut-être pas le harpon, mais au moins un coil qui va résoudre le problème de la profondeur qui, à mon avis, est un vrai problème. Nous qui travaillons avec d'autres techniques, c'est le seul problème qu'on n'a pas encore surmonté. C'est la réelle profondeur du nodule. C'est assez rageant d'être toujours dans ta ligne d'agrafe un millimètre au-dessus et d'avoir encore le nodule à l'intérieur du poumon. Donc, à mon avis, le premier message, c'est ta salle hybride. Probablement qu'il faut pousser ce projet jusqu'au bout parce que ce n'est pas tant le repérage du nodule qui va être important, mais c'est le recalage des images et ensuite le recalage des vaisseaux pour nous aider dans les reconstructions. À mon avis, c'est ça ce qui sera la meilleure fécondité de ton travail. Et ensuite, la salle hybride, il faut probablement l'utiliser avec toutes les possibilités qu'elle nous offre. Et si on n'en a pas, nous, les capacités, s'entourer de l'équipe qui nous aidera pour acquérir la courbe d'apprentissage. Je redis juste que la fibro-naviguée, comme tu l'appelles, ou l'électronavigation, ça ne demande pas de compétences particulières. J'insiste parce que je suis extrêmement étonnée pour en faire l'enseignement au collège, de voir la capacité avec laquelle les internes s'en emparent. Ils sont plus rapides que nous, les seniors. Quand on leur a donné, ils font leur première navigation plus rapidement que nous. Et j'aime bien comparer ça à, on te donne une course d'orientation, tu vas voir la personne à qui tu donnes une carte et qui ne connaît pas la carte, et la personne à qui tu donnes Waze ou un autre GPS et tu lui dis allez-y. C'est évidemment celui qui va avoir le Waze et nos jeunes générations qui vont être plus rapides, même si, et je le regrette, ils ne savent pas forcément la branche qu'ils ont empruntée, mais ils arrivent à destination. Et c'est ce qu'on leur demande. Et de temps en temps, il faut, nous, les enseignants, accepter qu'ils aient fait le job, même s'ils n'ont pas complètement compris la natte. Et le but, c'est de leur apprendre la natte quand même à côté. Donc, dans la capacité, notre inquiétude de chirurgien un petit peu vieillie déjà, si on ne maîtrise pas l'endoscopie, donnez-leur ces outils, vous allez être étonnés de leur performance. Ils vont y arriver plus vite que nous. Ça, c'est le petit message. Et dans les chiffres qu'on donne sur l'électronavigation, oui, ils sont, on n'a pas encore... la capacité des ponctions sous scanner, mais qui nous a donné des chiffres d'échecs qui sont les chiffres des biopsies. Mais dans, si tu regardes la littérature de la localisation, c'est de 90 à 100%, parce que dans la localisation, tu as même une petite marge d'erreur, puisque tu fais une résection suite à type de wedge, donc si tu es à 5 mm ou 1 cm, c'est encore acceptable. Donc, en fait, c'est vraiment un outil où on peut s'intéresser. Question pour ta thèse. Donc, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le recalage des images. Et notamment, tu nous as expliqué que c'était le changement de position, l'acquisition du poumon inflaté sur un scanner et ensuite, tu passes en cone beam CT dans ta salle hybride. Est-ce que vous avez imaginé d'essayer de mieux comprendre le recalage des images en faisant une acquisition scanner au décubitus latéral pour déjà avoir le diaphragme qui remonte, le médiastin qui tombe, le cœur quand tu es à gauche qui appuie, à droite l'inverse, pour ensuite faire votre recalage en comparant scanner en latéral et cone beam CT en latéral? En fait, un travail préliminaire de Pablo a été basé là-dessus. En fait, c'est plutôt que d'utiliser directement nos imageries CBCT très artefactées avec un volume pulmonaire qui est tronqué, on a effectivement utilisé des imageries scanner pour les biopsies et la mise en place des biopsies préopératoires ou préthérapeutiques. Et ça nous a donné des bonnes pistes pour l'initiation de notre étape A, de notre protocole de recalage. Et ne serait-ce que sur ces scanners, le recalage rigide, simple, n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, comme tu le soulignais, les modifications de tension du diaphragme, l'effondrement du médiastin, les déformations de la cavité thoracique étaient significatives et un recalage rigide, simple, basé sur l'archi, ce n'est pas suffisant. Alors, on avait des marges d'erreur qui étaient centimétriques, alors qu'avec un recalage élastique, on a des marges d'erreur telles qu'on l'a designé avec Pablo, des marges d'erreur qui sont millimétriques. Donc, clairement, le simple changement de position et de modalité d'acquisition, sans parler de l'imagerie
intrinsèquement et pourvoyeur de modifications significatives de notre imagerie. Donc oui, une méthode de recalage est indispensable. Nous prenons juste en compte le changement de position. Et ça ne vous donnait pas une meilleure précision en éliminant déjà le fait que voilà, tu avais déjà basculé le patient pour t'aider au recalage, ça n'avait pas forcément aidé. Deuxième question, on sait bien que l'élasticité du poumon, elle dépend aussi de la pathologie pulmonaire sous-jacente. Et notamment, tu nous as montré ces équations sur le système poroélastique du poumon. Est-ce qu'elle va prendre en compte l'emphysème du patient ou éventuellement sa pneumopathie interstitielle qui lui donne une fibrose et une perte d'élasticité du poumon? Comment est-ce qu'on intègre en fait le fait que tous nos patients ne vont pas avoir un poumon natif et qui va répondre à 100% à notre équation mathématique? Et c'est partie des paramètres qui sont pris en charge et qui sont étudiés sur notre modèle pour élastique, c'est-à-dire qu'on va faire varier la perméabilité des bronches, on va faire varier la quantité de volume de fluide qui est évacué, on va et étudier la porosité de notre poumon. Et donc, oui, ça fait partie des caractéristiques. La module d'élasticité de notre poumon est pris en charge, est pris en compte dans cette équation et cette biomécanique. Et dans la formulation inverse du problème, quand on essaie de faire se correspondre notre modèle en éléments finis à la surface du CBCT, on fait justement varier tous les paramètres de notre modèle pour élastique pour trouver les meilleurs paramètres, les meilleures configurations qui font que nos surfaces correspondent. Et on peut subodorer qu'une bonne correspondance, c'est une bonne estimation des paramètres mécanique de notre machine pulmonaire. Donc à chaque fois, les paramètres de porosité, d'élasticité, de perméabilité bronchique, de volume aérique évacué, et c'est vraiment patient spécifique. Mais donc tu ne vas pas avoir comme un petit tabac, un petit tableau Excel où tu sauras si mon patient a une fibrose, je dois lui appliquer tel paramètre. Tu vas utiliser à chaque fois le scanner avant et ton combine pour essayer de repositionner. Pour l'instant, on est là. En sachant que ton CBCT élimine des parties qui, elles, peuvent en fait avoir joué, puisque tu nous as bien expliqué que le capteur plan ne prend pas l'ensemble de l'imagerie. Donc, on a introduit un biais d'emblée quand même. Ouais. C'est une des grosses limites de notre modèle, c'est qu'effectivement, on présume a posteriori des caractéristiques du poumon. Et donc, cette formulation inverse, ça fait énormément de calculs mathématiques, beaucoup d'estimations et d'itérations pour pouvoir s'approcher de la réalité. Et effectivement, peut-être qu'une définition a priori des paramètres de paramachine pulmonaire, ça simplifierait notre modèle et ça accélérerait la vitesse de calcul qui, pour l'instant, empêche son utilisation en pratique clinique. Clairement. La profondeur, je ne reviens pas puisqu'on en a parlé, mais c'est vrai que c'est une des difficultés. Je crois que ce qu'on méconnaît aussi, c'est la perte des repères quand on opère avec un poumon qui est déflaté ou même semi-inflaté. Et où on peut estimer nos distances de manière en fait pas adéquate. Et ça, c'est une vraie difficulté. Petite critique, parce que je pense que nos travaux méritent toujours d'être très honnêtes. Et je le fais par exemple pour nous-mêmes, quand on publie nos séries de l'électronavigation, on affiche comme toi des temps de navigation très courts, c'est très propre. Voilà, vous pouvez faire ça en 10 minutes. Je pense que ça serait, en tout cas dans un travail de test, peut-être pas pour ton article, plus juste de nous dire le temps d'installation du patient, les premiers scanners pour vérifier que vous étiez bien. Parce qu'en fait, tout ça, il faut le prendre en compte, ne serait-ce que dans un temps d'occupation salle. Le jour où on va te dire, faites-nous l'étude médico-économique de votre modèle, tu vas avoir un temps d'occupation salle, ça a un coût. Et c'est là où, en fait, tu vas voir que c'est ce temps-là qu'il va falloir rendre plus performant. C'est rarement le temps de procédure où, aider de toutes nos équipes multidisciplinaires, finalement, on arrive assez rapidement à la courbe d'apprentissage et on oublie parfois de travailler sur le temps de réinstallation, positionnement du patient, etc. Et où là, si c'est standardisé, tu gagnes aussi un temps considérable. Je pense que dans un travail d'université comme ça, c'est important de nous dire, au début, on a mis 3 heures. Ça nous a pris, voilà, les manips, se sont arrachés les cheveux et les coinceuses, on avait marre d'être à genoux, sous le, tu vois. Mais j'avais, en 2019, quand j'avais présenté ce travail à la société, quand on avait fait une retransmission live d'un cas, j'avais Philippe Lacoste, mon alter ego nantais, qui était venu en salle, qui ne connaissait pas du tout la procédure, et qui était venu là pour faire la voix off et pour commenter un petit peu ce que je faisais. Et il m'a dit, finalement, ta mobilisation, ça marche bien.
mais tout le setup, toute la mise en place, hein, c'est complexe, il faut tout maîtriser. Et clairement, instaurer ça à Nantes, pour moi, ça va être très difficile parce qu'on dépend de la bonne volonté de l'équipe des soignants pour l'installation des malades qui change significativement. On dépend de la bonne volonté de l'équipe d'Ibod qui va sortir la bonne trousse hybride parce qu'on a une, si on ne le demande pas, on a une trousse de chambrage conventionnelle. On doit avoir un anesthésiste et l'infirmière anesthésiste qui doivent connaître le protocole d'insufflation. Donc, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui, maintenant, je maîtrise bien grâce à mon expérience de 50 malades et qui, au début, pour les premiers malades qu'on a fait, j'avais déjà commencé ce travail initié en cadre du master pour très longtemps. On faisait, là, le rituel, en étant bien rodé, on fait deux wedges dans la journée en commençant l'installation de malades à 8h30, 9h et en terminant la vacation à 15h. Donc, c'est sûr que dans une société, dans une structure à but lucratif pour laquelle le nombre de malades que l'on fait est fondamental et l'enchaînement des gestes, c'est pour l'instant pas raisonnable. On peut se le permettre à Rennes parce que c'est un CHU, on peut faire de la recherche, mais c'est vrai qu'en pratique clinique courante et toute cette installation de modification d'études d'habitude, comme tu soulignes avec pertinence, c'est un frein. Alors, j'avais une question qui, à mon avis, va être un des problèmes. Anne, peut-être, pourra, si jamais elle nous entend en parler, parce que je crois qu'elle commence à y être confrontée. Combien de verres dépolis vous avez repérés? Que tu en avais pris, des 26. Verres dépolis un peu denses 26. Est-ce que tu as eu 100% d'anapath dessus en extemporané? Non. Puisque je pense que ça va être ça, notre grande difficulté. C'est qu'en fait, maintenant, nous, on a vraiment amélioré nos techniques de localisation. On fait le wedge ou une autre technique de résection. Et en fait, on a un refus d'avoir un examen extemporané parce que la lésion est trop petite et qu'ils ont peur d'abîmer ou de perdre le contingent invasif. C'est exactement ça. Les expériences qu'on a, effectivement, c'est on a un nodule qu'on n'arrive même pas à palper, on sort la pièce, on ne la palpe pas. On dit bon, on envoie un appât pour s'assurer qu'on a un nodule, pour être sûr qu'on a résolu la bonne partie du poumon. Avec Sampo, il me dit, je sens rien, hein, je vais pas te congeler tout ton prélèvement parce que si les composantes invalides, je vais rien dire. Et donc, le but de l'extempo, c'est pas un anxiolytique chirurgical. Le but de l'extempo, c'est modifier ton geste. Est-ce que tu vas modifier ton geste en fonction de l'extemporané que je vais faire? Donc, c'est vrai que pour les malades, on a mis des verres d'épaulis assez volumineux, souvent mix avec une composante solide, mais de plus en plus, on va avoir des nodules en verres d'épaulis infrasymmétriques. Pas du tout palpable, très peu, probablement plus invasif. Mais la question, c'est de savoir est-ce que l'extempo changerait notre geste. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si on a une composante invasive de moins de 5 mm et qu'on a des marges qui sont centimétriques, est-ce qu'on irait jusqu'à la lobectomie? C'est ça. Voilà, c'est segmentectomie. Et du coup, est-ce que maintenant, à LCP, vous en discutez de cette manière-là? Ouais, maintenant, on a accepté, on dit voilà, c'est un verre dépoli, on fait le wedge et on envoie un définitif. On a un petit peu de cocide pour éviter les adhérences. Et s'il y a besoin d'une réintervention, on y retournera dans un second temps. Parce que nous, de plus en plus, on consigne, et si pas d'extemporané, discussion avec le patient, et on admet une segmentectomie d'emblée sans histo. Voilà, donc, si en fait c'est une segmentectomie pas trop importante, pour éviter la réintervention chirurgicale. Et je pense que malheureusement, avec le dépistage, on va avoir de plus en plus, on va être confronté de plus en plus. Et on va augmenter, on va être confronté aussi à l'augmentation de la morbidité de notre geste pour des lésions potentiellement pas tumorales et potentiellement pour des lésions qui, les verres dépolis, finalement, ils sont la maladie du verre dépolis, on ne la connaît pas bien. Les patients qui ont des verres dépolis multiples, on sait que c'est des carcinomes bronchio-alvéolaires, on ne sait pas combien de temps ils vont les garder avant que ça dégénère, avant que ça devienne tumoral, si un jour ça va devenir invasif et péjoratif pour le malade. Je pense que cette histoire de la maladie du verre dépoli, on la connaît pas. Et tellement, c'est vrai qu'on a pris le parti d'une attitude plutôt interventionnelle sur les verres dépoli à Rennes, je pense qu'on a du sort de la tour. Mais est-ce qu'on a raison de le faire? Et après, on s'attache toujours à avoir un suivi et des critères faisant supposer que le nodule est évolutif, commence à se modifier, elle commence à être agressive et donc nécessite une chirurgie. Avant de se jeter le bistouri entre les dents sur ces lésions. Et puis juste le message de fin, parce que je pense que ça je ne te parlerai pas de Ion ou de Monarch, les plateformes robotisées auxquelles je crois, j'en parle beaucoup avec d'autres.
Le petit message de fin, parce que c'était assez prégnant dans ta thèse et je pense que c'est important de le souligner. Tu as commencé par dire que tu avais un peu procrastiné, qu'il y avait des choses qui avaient avancé, mais je crois qu'au contraire, tu pourrais nous présenter et le mettre en lumière comme un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire, ce qui est très important dans ta thèse, c'est le rassemblement des spécialités que vous avez mis dans ce travail entre les cliniciens et les ingénieurs. Voilà, et puis le travail des équipes aussi du bloc, les penseuses, les manip radio. C'est un vrai travail multidisciplinaire. J'ai su que certains dans tes équipes diminuent leur temps de vacances pour que tu puisses écrire aussi ta thèse, etc. Tu as été extrêmement entouré et je pense que ça, c'est important que tu en prennes conscience et que tu nous mettes en lumière. C'est un travail d'équipe, là, qu'on te félicite. Je passe la parole à d'autres. Merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup, Agathe. La parole est maintenant à Madame Sandrine Voros, qui est chargée de recherche à l'Université de Grenoble. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et encore une fois, merci à Simon et à ses encadrants de m'avoir permis de lire ce rapport, de participer à cette soutenance que j'ai vraiment beaucoup appréciée pour la limpidité de tes explications. Et comme la personne précédente, je voulais aussi souligner qu'on voit vraiment l'intérêt de faire collaborer un clinicien avec un scientifique, parce que je pense que le travail remarquable que vous avez fait tous les deux a vraiment bénéficié de l'un ton expertise clinique et pour l'autre de son apport scientifique, et que le travail ne serait pas arrivé jusque-là si vous aviez été tout seul. Donc je pense que c'est vraiment un bel exemple de cercle vertueux où un clinicien et un scientifique collaborent. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié ton travail. Je suis contente d'avoir aussi l'occasion, je suis aussi parmi les laboratoires qui vont continuer à travailler sur le projet avec toi et j'en suis très contente parce qu'on voit bien que on est dans les complexités plus de la chirurgie des tissus mous. Hein, donc on voit tous les problèmes que ça pose. Et il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées par mes collègues, mais il y a des choses dont on n'a pas parlé, sur lesquelles j'aurais aimé avoir ton avis. Dans ton contexte médical, là, tu nous as parlé d'imagerie péropératoire comme de l'endoscopie de fluorescence et de l'échographie. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment tu vois l'intérêt de ces modalités d'imagerie-là pour ta chirurgie diagnostique. Alors, c'est vrai que la fluorescence, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. En fait, c'est Pablo qui m'a parlé de ce dispositif de localisation péropératoire. Et c'est vrai que ça a l'air extrêmement suffisant. C'est-à-dire une simple injection intraveineuse d'un produit de contraste qui va se fixer spécifiquement sur le nodule et avec une autofluorescence ou un infrarouge, être capable de localiser le nodule. C'est extrêmement séduisant. En chirurgie thoracique, pour l'instant, c'est juste à l'étape d'étude. Ce n'est pas utilisé en pratique courante, loin s'en faut. La difficulté étant de trouver le bon ligand, la bonne molécule, la bonne molécule pour le cancer. Et je pense qu'une fois qu'on aura les techniques de fluorescence, effectivement, un marqueur ad hoc, je pense que tous ces dispositifs de localisation, de harpon, de coil, de fibroscopie naviguée pour du repérage de nodules, ça disparaîtra parce que c'est clairement extrêmement séduisant. Mais pour l'instant, que l'étape de recherche. Et du coup, l'OTL 38 dont tu parlais, c'est une étape de recherche, c'est ça? Ah, d'accord. Alors, moi, je le connais un petit peu en. Pardon, vas-y, excuse-moi, continue. De ce que j'en ai compris de ma connaissance assez lacunaire de la littérature, effectivement, ça n'a pas d'AMM, ça n'a pas de. Les seules utilisations qu'elles font sont en ATU et en protocole de recherche. Okay. Moi, je connais un petit peu l'endoscopie de fluorescence plutôt dans le contexte de la chirurgie abdominale et. Alors, c'est très, très séduisant. Je pense que même pour les questions de réalité augmentée, finalement, on pourrait presque, à terme, maintenant, il y a des systèmes de bimodaux où tu switches entre l'endoscopie et la fluorescence comme tu veux. Et du coup, ça pourrait être vraiment intéressant. On pourrait peut-être même se passer à terme de réalité augmentée. Après, il y a encore des choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, il faut que tu vois la fluorescence
dans ton image d'endoscopie. Et du coup, si ta tumeur est profonde, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu ne vas pas la voir. Et je pense qu'il y a aussi des difficultés de temps de vie de la fluorescence où je pense qu'il faut les injecter à des moments très précis et arriver au moment où tu vas vouloir voir ta tumeur à un moment particulier, sinon tu ne vas plus rien voir. Mais ça me paraît quand même des choses qui pourraient être vraiment intéressantes à suivre, en tout cas en mode veille, quoi. Clairement. Et pour du coup, l'échographie qui m'intéresse aussi, donc j'ai bien compris que tu disais que quand il y avait de l'air dans... Donc un pneumothorax, ça allait être un problème parce que l'échographie ne verrait plus rien, mais ça, j'imagine que c'est pour de l'échographie externe. Maintenant, on voit des sondes d'échographie laparoscopiques, voire des cathéters avec des sondes échographiques. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est les Canadiens, l'équipe de Montréal, qui a beaucoup publié avec l'utilisation d'échographie hyperopératoire. Qui effectivement, c'est une technique qui marche bien. Et c'est exactement l'inverse de notre problème. C'est-à-dire, moi, il ne me faut pas un gros pneumothorax pour pouvoir voir correctement le nodule. L'échographie, c'est juste l'opposé. C'est la présence d'air dans le parachute pulmonaire. J'aime considérablement l'utilisation et la pertinence de l'échographie. Donc, il faut avoir un pneumothorax exceptionnel avec un poumon parfaitement intégrisé pour correctement l'utiliser. Plus de ça, la manipulation de la sonde n'est pas forcément aisée. Hein. Il faut la mettre à travers les orifices de thoracoscopie, utiliser le gel, mettre du gel d'écho correctement, la faire naviguer sur la surface du poumon avec des pinces. C'est quand même une courbe d'apprentissage qui est significative, et ça reste quand même très opérateur et dépendant. Mais c'est effectivement un dispositif de localisation par opératoire qui est une alternative à tout ce que j'avais évoqué auparavant. Ou en complément, peut-être. Après, en complément, ça veut dire qu'il faudrait, il y a quand même, je pense, c'est comme tout, hein, une courbe d'apprentissage, l'achat du matériel, une formation. Donc, moi, je positionnerais plutôt en alternative qu'un réel complément. Okay. Du coup, je passe maintenant aux méthodes de recalage du poumon. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été déjà dites. Moi, il y a juste un truc que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, du coup, c'est aussi dans les perspectives de travailler sur un poumon complètement déflatté, qui est quand même une perspective du projet. Et du coup, il y a deux choses que je n'ai pas compris. Donc, déjà, vous avez fait un modèle poro-élastique du poumon. Mais du coup, si ton poumon, il est complètement déflatté, est-ce qu'un modèle plus simple ne serait pas envisageable, première question. Et deuxième question, j'ai pas bien compris si les structures que tu voulais utiliser pour recaler, pour mieux prendre en compte ce qui se passe loin des surfaces que tu utilises pour faire ton recalage, donc à l'intérieur du poumon, tu parlais des vaisseaux et de l'arbre trachéobronchique, et je n'ai pas bien compris s'ils étaient visibles quand ton poumon il est complètement déflatté ou pas du tout. J'ai commencé par la deuxième partie de la question. Quand on a une anesthésie complète du poumon, très rapidement, on ne distingue plus aucune structure. C'est-à-dire qu'il y a une densification du parenchyme qui est très importante. Passer la deuxième division bronchique, en passant après les segmentaires, les bronches segmentaires, on ne voit plus rien. C'est-à-dire que tissu conjonctif, bronche, bronchiole, artère, vaisseau, tout se confond. Après, une petite... solution pourrait être l'utilisation d'un agent de contraste, de l'iode ou même de l'indocyanine pour pouvoir faire se rehausser les vaisseaux en immunofluorescence, permettrait de solutionner ce problème de densification et de confusion des structures. Pour ce qui est de la première partie de la question, est-ce qu'on pourrait utiliser autre chose qu'un modèle poroélastique pour recaler l'imagerie? Quand le poumon est complètement déflatté, hein, j'entends. Le modèle et l'équation que Pablo a élaboré autorise justement une évacuation d'une quantité lambda que l'on précise de fluide. Donc est-ce que en faisant s'évacuer complètement le fluide, notre méthode de recalage est pertinente? Je ne sais pas, c'est une piste qui mérite d'être explorée. Après, une alternative différente mérite à être explorée, effectivement. Après, rien n'est figé dans le marbre. C'est vrai que là, on a utilisé une imagerie qu'on a utilisée en paire opératoire pour pouvoir localiser le nodule avec ou sans recalage
hybride développée par Pablo. Mais peut-être qu'il faudra repartir à nouveau de zéro pour utiliser l'imagerie avec un CBCT et un poumon complètement intellectualisé. Ça reste exploré. Après, à l'heure actuelle, il y a seulement 4 publications qui font état de l'utilisation d'un recalage du poumon avec un pneumothorax. Donc, on fait partie des équipes très novatrices et dynamiques dans ce domaine-là. Je ne mets pas du tout ça en cause. Hein. J'ai trouvé le travail de recalage vraiment impressionnant, mais ça m'interrogeait sur la pertinence du modèle sur un poumon complètement déflappé. Je demanderai aussi à Pablo qui est. Les autres équipes, elles utilisent, comme nous, un pneumothorax incomplet. C'est-à-dire que l'équipe du docteur Lesage, il me semble que c'est une étude nord-américaine, utilise la solution que Agathe proposait, c'est-à-dire l'utilisation d'un scanner avant et après biopsie avec un pneumothorax finalement qui est une indication de la localisation. Et les équipes chinoises, sous l'impulsion de Chao, et ils ont un pneumothorax et une imagerie qui est d'excellente qualité avec un pneumothorax qui est tout juste centimétrique. Et je pense qu'ils ne font pas différemment, soit l'équipe chinoise ou l'équipe américaine, c'est qu'en fait, eux aussi ont les mêmes difficultés que nous. Un pneumothorax vraiment complet avec un poumon qui est complètement intactasie, c'est un vrai challenge, quoi. Ok, merci. Et peut-être une dernière question sur le modèle biomécanique, là. Donc, tu expliquais que pour estimer les paramètres du modèle biomécanique qui ne sont pas connus, tu utilises une formulation inverse. Et je me demandais si vous aviez regardé sur les patients, vous avez inclus la variabilité de ces paramètres et s'il y en avait certains qui variaient plus que d'autres. Absolument. En fait, un des paramètres qu'on a fait varier, c'est l'ascension diaphragmatique. Et en fait, pour 4 des 5 malades, on était à 2,5, je parle sous couvert de Pablo, mais on avait pour 4 malades la même valeur d'ascension du diaphragme, qui finalement, quand on l'a fixé à 2,5 cm, je crois, était le paramètre optimal qui permettait le meilleur alignement. Il n'y a qu'un seul malade où il avait fallu augmenter de manière significative la hauteur du diaphragme. Après, on avait fixé de manière assez arbitraire la fourchette d'autres paramètres de perméabilité ou de module d'élasticité. Et c'est vrai que je ne me suis pas attaché à étudier les correspondances et la qualité du parenchyme pulmonaire, l'aspect, la morphologie du malade versus les paramètres qui ont été définis en formulation inverse. Donc, clairement, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit explorer pour, comme j'avais dit, essayer de répondre à la question de Agathe. Parce que c'est vrai que cette formulation inverse du problème, c'est finalement la solution la plus simple que l'on a trouvée et qui finalement le plus complexe et le plus consommateur de temps de calcul, qui est un frein majeur à l'utilisation en pratique clinique. Ok, merci beaucoup. Peut-être une ou deux dernières questions, si j'ai le temps, Monsieur le Président. Deux petites. Dans les perspectives de ton travail, il y a toujours cette idée de faire un recalage où tu verrais virtuellement la tumeur sur le CBCT, même si la tumeur n'est pas visible sur le CBCT. Du coup, je me suis demandé, si tu arrivais à mettre ça en place, est-ce que tu aurais une idée de comment tu validerais l'approche? Comment tu validerais la qualité de ton recalage et comme tu vois rien? Et comment, du coup, ce serait accepté par les cliniciens? Je pense qu'il faudra on pourra la valider que a posteriori, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait notre marquage et la résection, est-ce que le nodule est bien dans le wedge? Après, peut-être qu'on pourra utiliser, faire un marquage, mettre un petit marqueur, une petite injection, par exemple de l'iquiodol, qui est radio-opaque. On regonfle notre poumon, on fait une nouvelle acquisition CBCT et on voit où est injecté l'iquiodol par rapport
par rapport à la lésion sur le poumon réexpansé. On avait pensé aussi à mettre des petites aiguilles, à me remettre des harpons, mais la validation a posteriori, je pense que ce sera celle qui sera la plus pertinente. Hein. Si on fait une résection avec le nodule de notre wedge qu'on avait repéré, mais c'est effectivement, hein, pour être accepté à un CPP, je pense qu'une validation a posteriori, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est vrai que l'alternative de l'injection de lipiodol, c'est une alternative qui semble assez sécure, hein, mais qui change notre geste, qui augmente un petit peu la morbidité, qui présente des risques d'embolisation ou autre. Donc, à ce titre, il sera un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, clairement. Ok, bah c'est très clair. Et donc je vois que vous avez plein d'idées, donc c'est parfait. Et puis la dernière chose qui est peut-être plus une remarque qu'une question. Quand on parlait du problème des examens extemporanés et de la difficulté d'avoir un diagnostic, surtout quand on va détecter le cancer de façon de plus en plus précoce, je pense qu'il y a des choses aussi... qui bougent et qui sont prometteuses, auxquelles il faut vraiment qu'on fasse attention dans notre domaine. C'est tout ce qui est les méthodes de biopsie optique qui promettent de faire des examens in situ avec des appareils d'imagerie microscopique qui permettraient de caractériser un petit peu les tumeurs. Donc je pense que c'est des choses intéressantes à garder en tête aussi pour l'avenir, parce que ça pourrait résoudre aider à résoudre ce point bloquant aussi. Donc en tout cas, je vous remercie tous vraiment beaucoup de m'avoir inclus dans ce travail. J'ai beaucoup aimé ta présentation et je suis ravie qu'on continue à travailler sur ce projet à l'issue de ta thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais peut-être avant d'arriver au mot de conclusion qui vont probablement être proposées par les deux directeurs de thèse, Simon, tu as souhaité inviter ton complice, on va dire, Pablo Alvarez. Donc, je suis sûr qu'il a probablement un commentaire à faire. Probablement pas de question, mais probablement un commentaire. Et oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci aussi, Simon et tes encadrants, de m'avoir invité pour participer à cette soutenance. Donc effectivement, je ne vais pas poser des questions, j'en ai déjà posé plein pendant ces dernières années. Et je te remercie pour toutes les réponses que tu as pu m'apporter. Et j'étais très content de voir ta présentation. Effectivement, je reviens à ce qui a été déjà dit, elle est très claire, non seulement pour les parties cliniques que tu maîtrises évidemment très très bien, mais aussi pour les parties méthodologiques. Et je le dis non seulement pour la présentation en elle-même, mais aussi pour les réponses que tu as pu donner aux différentes questions qui ont été évoquées pour les membres du jury, parce que c'était des questions qu'on aurait pu voir dans ma soutenance de thèse. Et les réponses que tu as données, elles étaient vraiment très précises, très pertinentes. J'étais vraiment impressionné de la maîtrise que tu as maintenant, de la méthode qu'on a pu mettre en place ensemble. Donc vraiment bravo, Simon, pour ça. Et je voudrais spécialement aussi te remercier pour m'avoir permis de participer à ce joli projet. Et j'ai bien aimé le commentaire qui a été fait tout à l'heure. C'est vraiment un cas très particulier d'une problématique un peu nouvelle, avec des idées nouvelles qui se mettent en place en clinique, avec des problématiques cliniques et du coup une collaboration ingénierie et clinique. Et dont je faisais partie de l'équipe ingénierie, on va dire ça comme ça. Et c'était vraiment très agréable de travailler avec toi en même temps, parce qu'on découvrait tous les deux le champ de l'autre et on faisait des réunions hebdomadaires qui nous permettaient, moi, de connaître plus l'anatomie, les cliniques, les contraintes dont je devrais prendre en compte pour le développement des méthodes. Et toi, en même temps aussi, des méthodes qui on était en train de mettre en place. Et en fait, c'est cette collaboration qui a fait qu'au final, toi et moi, nous avons une connaissance en fait de problèmes assez précises. Et j'étais étonné de voir vraiment la précision de les réponses que tu as données. Donc, je te remercie vraiment parce que c'est un projet. J'étais très très content de participer. Cette dynamique, cette collaboration. Je crois que
En fait, ne pas tous les doctorants, ne pas tous les thésards l'ont. Et je me sens vraiment chanceux d'avoir pu travailler avec toi en même temps. Et je suis content aussi de pouvoir continuer à travailler avec toi sur ce joli projet. Et donc vraiment bravo Simon pour ton travail. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Merci. Merci énormément, Pablo. Merci. Eh bien, la parole est maintenant aux deux co-directeurs de la thèse, à savoir le professeur Jean-Philippe Verroy et M. Jean-Louis Dillancinger. Si vous voulez, je pense que vous êtes sur place et que vous voulez intervenir, alors vous choisissez l'ordre comme vous voulez. Je vais commencer. Bonjour, Jean-Louis Séguer. D'une part, pour répondre juste à certaines, des questions qui étaient posées, pourquoi on a utilisé un modèle inverse qui est un peu boîte noire, c'est que de toute façon, c'est extrêmement difficile déjà de trouver les différentes parties du poumon, de savoir lesquelles étaient, quel type, je ne sais pas si ça se dit, mais qui étaient un peu plus rigides que l'autre. C'est des informations qu'on n'avait absolument pas ou qu'on ne pouvait pas avoir. Donc on était parti à un moment donné sur cet aspect un peu plus boîte noire. Sachant que les problèmes qu'on a eus, c'était plus des problèmes géométriques, même dans le que tu as fait, c'était des modèles géométriques avec beaucoup d'importance, comme le glissement entre les lobes, qui apportait beaucoup de déformations, ou même la position du diaphragme qu'on n'a pas sur les images CBCT. Donc, quand tu parlais du fameux 2,5 mm, c'est que, changeant des fois, on était parti de 3 cm, on arrivait quasiment sur le même résultat. Enfin, c'était des choses un peu difficilement quantifiables. Et donc, c'était plutôt concentré sur ces aspects un peu plutôt géométriques, enfin, géométriques anatomiques, plutôt que des parties un peu plus physiques spécifiques patients. Donc, ça, c'est un peu le problème, surtout qu'on n'a pas cette information-là. Quand on parlait de recalage sur des choses complètement déflatées, alors là, quand on n'a plus d'informations, c'est difficile de faire de recalage. Heureusement que nous, on avait un peu d'ethmothorax qui avait une certaine, qui n'était pas si important que ça pour avoir de l'information image. Une des pistes qu'on envisageait peut-être aussi, c'était de faire du recalage mixte modèle et en se basant un peu plus sur l'information des structures internes, anatomiques internes, lors justement du contrôle du pneumothorax par le modèle. On essaie de se baser sur cet aspect anatomique-là pour essayer de, non pas simplement de regarder où se trouve la surface du poumon, mais également de voir un petit peu si à l'intérieur, comment c'est de faire. C'était une des pistes qu'on envisageait à un moment donné. Et donc voilà un petit peu le pourquoi de certaines choses. Deuxième point aussi, comme le signalait Stéphane par rapport à faire une segmentectomie, si on est capable de trouver le segment avant la déplation, notre modèle doit être capable à un moment donné de suivre le segment lors de la déplation. Le problème se pose, c'est que quand on va faire la réjection atypique, c'est une fois qu'on a enlevé le wedge, là par contre, on a beaucoup, beaucoup. Selon le côté ingénieriste, on aura peut-être beaucoup plus de problèmes à relocaliser le segment après avoir fait ce geste-là. Donc, avant le wedge, on doit être capable de trouver le segment. Une fois qu'on a fait le wedge, hors de faire une deuxième type d'imagerie, peut-être réinjecter, enfin, je ne sais pas, mais ça c'est un peu plus compliqué. Après, je pense que dès le départ, il faut soit prendre le parti de faire une segmentectomie guidée par l'information du CBCT poumon et du mapping préopératoire, ou partir sur une réduction atypique simple. Parce qu'effectivement, les peu de fois où on doit faire une segmentectomie après un wedge, c'est un enfer. Il faut faire l'agrafage du plan intersegmentaire. Une fois qu'il y a déjà eu 3 coups de pince, c'est impossible. Parce que un chirurgien qui a beaucoup plus d'expérience à la segmentectomie que moi. Mais... Et nous, on essaye d'éviter de faire des wedges en diagnostic, y compris pour des lobectomies, pour ne pas déformer justement et ne perdre aucune des informations sur le plan intersegmentaire. Donc, on a développé beaucoup de techniques de biopsie à l'aiguille. On prend les biopsies de nos radiologues, enfin les aiguilles de nos radiologues, qu'on fait passer dans les trocars. Mais ça, c'est possible si tu as une visualisation de la lésion. On l'a tenté sur des marquages en fluorescence de lésion
Donc, on a le spot lumineux et on fait passer l'aiguille dedans et on a des parfois des dioptries positives en extempo. Ça demande de travailler avec nos anapathes pour qu'ils acceptent de faire des extemporanées sur des biopsies à l'aiguille. Mais ça, nous, même tous nos nouveaux anapathes qui arrivent, voilà, dans une équipe, quand l'habitude est prise, ça pose pas de problème. Au départ, faut convaincre et ensuite, ça se fait bien. Et la seule limite, c'est quand, en fait, ta biopsie à l'aiguille est impossible ou tu l'as faite et t'as pas de résultat et tu finis par faire le wedge. Si vraiment tu as besoin du diagnostic pour avancer plus en avant, d'où parfois la discussion de est-ce qu'il ne faudrait pas discuter plus souvent de segmentectomie d'emblée, en sachant qu'on a des patients de plus en plus réticents à ce qu'on leur fasse un geste d'exérèse parenchymateux, même limité, sans preuve histologique. Et de temps en temps, on en a vraiment qui nous disent je veux que vous ayez la preuve avant que vous alliez plus loin. Ouais, une réflexion que Bertrand m'a soumise hier et à laquelle je n'ai pas su répondre. Je me permets de poser des questions. Une question à l'entour, c'est est-ce que tu as constaté un surcroît de complications post-opératoires depuis que tu fais finalement plus de segmentectomie de diagnostic, alors qu'avant, peut-être tu faisais plus de wedge ou de lobectomie d'emblée? Réponse non, on fait peu de segmentectomie diagnostique. On fait beaucoup quand même de tentatives de biopsie par tous les moyens à notre disposition, et y compris l'électronavigation. Même si on a des radiologues qui font des pneumologues, beaucoup de diagnostics en mini-sonde, parce qu'ils utilisent le modèle de reconstruction que nous donne... Alors, pas Synapse 3D, on utilise le logiciel de l'électronavigation de bronchite qui nous permet de faire la planification des mini-sondes. Et ils n'utilisent pas forcément ensuite le cathéter de navigation. S'ils y arrivent en mini-sonde et s'ils ont le signal en mini-sonde, c'est une question d'économie de coût. On fait les biopsies en mini-sonde, ils ont une bonne rentabilité diagnostique. Et c'est finalement que si on est en tout dernier ressort sans possibilité, qu'on sort le cathé de navigation et qu'on fait une vraie navigation dans le champ électromagnétique. Mais donc, on a quand même pas mal de diagnostics avant. Et inévitablement, hein, comme dans tout service de chirurgie thoracique, on a quand même des segmentectomies diagnostiques, mais on n'a pas plus de complications sur ce type de patient que si tu as vu le diagnostic. Tu peux par contre mettre en balance le fait que parfois tu as des complications à faire un geste diagnostique. Tu peux avoir, on a eu un décès par ponction sous scanner, donc on est aussi freiné parfois. Il faut quand même se poser réellement la question de est-ce que j'ai absolument besoin du geste diagnostique avant. Enfin, aucun geste n'est un anodin. Merci. Jean-Philippe? Non, mais je voulais juste dire, en fait, là, c'était un peu sur les questions que j'avais, mais sur le côté humain, j'étais extrêmement, extrêmement ravi de la collaboration entre Simon et Pablo. Pour moi, c'était une dream team, tous les deux ensemble. C'était s'avancer du feu de Dieu. Et au niveau du laboratoire, je sais que certains de mes collègues vont m'envier ce binôme-là, en tout cas. Donc, c'était pour moi extrêmement enrichissant de vous voir tous les deux ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Louis, la collaboration déjà tous les deux est déjà aussi agréable. Alors moi, cette thèse m'a stressé, Monsieur le Président, mais stressé à un haut niveau. Pourquoi ? Parce que j'ai mis du temps à comprendre le fil rouge de la thèse, et finalement, ça m'est venu petit à petit, parce que je connais Simon Rouzet, c'est quelqu'un de subtil, très subtil, et qui ne pouvait pas me présenter cette chose comme à un moment donné, moi, je l'interprétais. Et j'ai finalement compris avec deux choses, deux noms. Le théâtre, la théâtralisation de cette thèse, théâtre parce que théâtre des opérations, les anglo-saxons appellent le bloc opératoire un théâtre. Et puis l'année 2022. Et là, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et d'un seul coup, Molière. 400 ans plus tôt, le théâtre et le théâtre de Molière, c'est avant tout trois choses essentielles. L'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité de lumière. Alors l'unité de lieu, je ne vais pas y revenir parce qu'il y a des éminents chercheurs qui sont encore plus érudits que moi, qui ont bien compris cette chance que nous avions d'avoir le théâtre, à la fois les coulisses scientifiques et le théâtre dans une même unité de lieu. Et donc là, j'avais répondu à l'unité de temps et à l'unité de lieu. Et il me manquait la lumière, parce que bien entendu, à l'époque, on était dépendant dans le temps des actes sur la durée des chandelles
qui s'amenuisaient avec le temps et qui diminuaient la lumière. Il fallait les renouveler, d'où l'entracte. Et c'est là que Simon m'a fait découvrir l'entracte. Il a organisé son entracte pendant un certain temps, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que en effet, il fallait qu'il y ait une digestion scientifique et clinique en même temps. Et que ces absorptions, elles ne sont pas forcément faciles quand on est aussi dans le champ d'action de l'activité. Vous avez lu cette thèse, il y a eu un gros travail scientifique. On a beaucoup parlé de patients, on a beaucoup parlé de risques, on a beaucoup parlé de malades. Et que lorsqu'il a fait sa démonstration en 2019, et il a fait honneur à son patron, puisque je rentrais comme président de la société à Rennes, il a présenté son travail en direct live depuis ce bloc opératoire avec un collègue nantais, ce qui donne aussi l'importance de la transversalité régionale des travaux. Et ça, ça a été un vrai plaisir. Donc la lumière, elle vient finalement de la fierté que quand on a des gens qui s'investissent sans le but d'une agrégation, sans le but d'un travail purement universitaire, professionnel, et d'une hiérarchie, d'une stratification de la hiérarchie universitaire, mais simplement dans le plaisir d'associer la réflexion et le geste, ce qui est quand même l'élément important du médecin, eh bien, j'ai finalement trouvé la troisième chose et la troisième étape qui était la fierté. Alors la fierté parce que c'est la 14e thèse d'université que nous faisons en collaboration avec le LTSI. La fierté aussi parce que j'ai eu l'honneur d'être nommé co-directeur de ce centre de recherche cette année et que 12 thèses d'université en collaboration chirurgien et scientifique ont été réalisées depuis 2006. Donc voilà la troisième étape, la lumière. Et puis je répondrai qu'à une seule question de Simon Rouzet, l'argent. Car en effet, ce travaux ont généré, il l'a dit, une ANR avec 580 000 kilo-euros de bourse et de résultats. Et là, l'unité de temps reprend à nouveau le pas, puisque nous n'avons toujours pas, au bout de 18 mois, pu toucher les 80 000 euros qui étaient dédiés au service et à l'unité pour pouvoir investir dans une colonne 3D, qui est aussi un résultat intéressant. Et là, je crois que la pièce n'est pas terminée, et elle va se prolonger parce que nous rentrons dans la dimension administrative et je ne sais pas s'ils ont les mêmes unités de temps, de lieu et de lumière. Voilà, donc simplement merci Monsieur le Président et surtout merci à toute cette équipe qui a permis à Simon de démontrer de quoi il était capable et c'était important pour lui. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Alors, il me vient le rôle de finaliser un peu cette soutenance. Alors, encore, je vais un peu respecter le plan proposé par Anne. Tout d'abord, te remercier parce que c'est toujours très sincèrement un honneur d'être sollicité pour juger un morceau de vie, parce que au-delà d'un travail scientifique, c'est un morceau de vie. Je me souviens très bien, la première fois où nous avons discuté de ton travail, c'était dans une voiture en revenant de Saint-Malo. Tu m'as amené à l'aéroport. Et on avait beaucoup échangé là-dessus. À l'époque, tu étais interne. Et ça, c'est un petit détail qu'il ne faut pas oublier parce que tu t'es auto-flagellé en parlant de procrastination. Après, tu t'es fait un petit peu charrier par ton théâtral chef de service en parlant d'entracte. Oui, le petit bémol, c'est qu'entre-temps, tu avais ton métier à apprendre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la discipline. Notre discipline n'a pas besoin de chercheurs fondamentalistes, il a besoin de chirurgiens complètement formés, reconnus comme tels, et qui font et qui s'intéressent à la recherche. Et pour ça, ils s'associent avec, comme c'est le cas dans le modèle rennais, les scientifiques avec une productivité qui est tout à fait remarquable. Donc, moi, je suis admiratif de ton parcours. Je suis aussi très séduit par le fait que tu t'es attaqué à un problème de soins courants, et on y reviendra tout à l'heure, mais vraiment, c'est du soin courant, avec des côtés qui sont qu'on peut prendre de façon très
va dire, très favorable, très noble, c'est-à-dire effectivement confirmer le diagnostic d'une malignité suspectée, et puis des côtés sombres qui sont rarement publiés, qui sont la résection qui évite soigneusement le nodule, les nécessités de réintervention, toutes ces complications qui n'arrivent jamais, bien entendu, puisqu'elles ne sont jamais publiées. Hein. Donc, c'est vraiment une thématique qui est absolument fondamentale, qui est tout à fait moderne. Tes rapporteurs l'ont rapporté, notamment à l'ère du dépistage. Et puis, ce qui est très séduisant, effectivement, c'est ces allers-retours entre finalement des aspects très fondamentaux, très scientifiques, comme les qualifie Anne Hollande, et puis des aspects pratiques de clinique de tous les jours. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Ce qui est un peu frustrant quand on arrive, quand on est directeur de thèse, c'est qu'on avait préparé, moi j'ai une liste là, je peux te la montrer, une liste de questions que je pensais extrêmement pertinentes. Bien sûr, elles ont toutes été posées, donc il me reste fort heureusement que finalement la dimension clinique et à commenter. Alors avant ça, je voulais aussi te féliciter pour la forme, alors la forme de ton document, qui est effectivement très agréable à lire, très aéré, et pourtant extrêmement détaillé. Alors je n'y ai trouvé qu'une seule petite erreur dans la copie de ton manuscrit, le tableau 1, je pense que c'est un tableau intermédiaire, puisque l'effectif du tableau 1 est de 30 malades au lieu des 50. Bon, c'est un petit détail, mais si c'est le manuscrit que tu as envoyé, méfie-toi. Bon, sinon, pour le fond, alors, c'est vrai que un peu pas l'inconvénient, parce que tous les excellents travaux, comme c'est le cas pour toi, finalement, à la fin, posent plus de questions qu'ils ne répondent, qu'ils résolvent de problèmes. Et donc, c'est tout à fait le cas quand on commence quelque chose comme un pionnier, parce que vous étiez tout à fait pionnier à l'époque où vous avez commencé sur cette thématique. Et puis, ça a pris du temps, bien évidemment. Et pendant ce temps-là, il y a eu quand même deux révolutions. La première, c'est le développement exponentiel, fulgurant des méthodes de diagnostic préopératoire, et notamment toutes les techniques qui touchent à la navigation et qui permettent maintenant quand même, dans l'immense majorité des cas, hein, d'obtenir des diagnostics préopératoires, en particulier pour les tumeurs quand même encore centrales. Les tumeurs très périphériques, c'est vrai que leur localisation est souvent aisée et de diagnostic facile par les techniques de radiologie interventionnelle. Et donc, il reste cette petite zone grise, on va dire, des tumeurs qui sont profondes, mais pas trop, et qui peuvent poser certains problèmes. Mais finalement, quand même, on est tous dans une situation inconfortable quand on va proposer à un patient une chirurgie dont le but sera à la fois diagnostique et potentiellement thérapeutique, parce qu'effectivement, on est dans la pression de l'obligation de l'absence de mortalité et d'une morbidité minime pour une procédure diagnostique, et qu'au départ, on ne sait pas si la chirurgie qu'on va effectuer sera uniquement diagnostique ou finalement diagnostique et thérapeutique. Donc ça, c'est quand même un contexte qui fait que cette situation-là est une situation que l'on essaye d'éviter. L'avenir du développement de ces techniques, à mon avis, est aussi challengé par l'évolution de la chirurgie elle-même. Ça a été dit, hein, la révolution que va apporter le développement du dépistage organisé un peu partout, y compris en France, où quand même l'HAS a fini par lâcher et donc encourager, alors avec le qualificatif dans le cadre de la recherche, les programmes de dépistage, en fait, bon, les choses vont être lancées et donc on va avoir un afflux de patients, probablement avec des images de petite taille et avec donc le risque de faire des interventions qui ne seront pas forcément toutes très utiles. Et ça, c'est peut-être une première question que je voulais te poser. Dans ton manuscrit des 50 patients, on voit qu'il y a l'immense majorité des cas, ce sont des tumeurs malignes, qu'elles soient primitives en majorité, mais aussi des métastases de cancer autres.
Et puis finalement, tu as 12%, si je ne me trompe pas, de bénignité, de diagnostic de bénignité. Dans ces diagnostics bénins, il y en a encore deux catégories. Il y a quand même ceux pour qui le diagnostic de bénignité, selon son type précis, va modifier la prise en charge. Et donc, ce sont des diagnostics encore utiles. Et puis, il y a vraiment des diagnostics qui ne servent à rien. Puisque ça ne va rien changer, et finalement, c'est ce qu'on pourrait qualifier de chirurgie futile. Alors, est-ce que tu as la notion, la proportion de chirurgie réellement futile dans ta série de 50 patients? Je vais faire une pirouette. Il y a déjà un malade qui a... pour lequel notre dispositif de localisation n'a pas marché. Donc, on s'en est rendu compte sur le scanner post-opératoire de un mois post-op, on s'est rendu compte qu'on avait réséqué la lésion qui était à quelques centimètres près, une lésion bénigne, et en fait, la lésion maligne était hors champ. Donc, on a dû le réopérer et lui faire la résection de cette métastase colorectale. Ça n'a absolument pas changé son pronostic, et le patient a très bien compris les choses, et ça s'est très bien passé a posteriori. Ensuite, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je dois avouer que. Merci, Gat. Sur la quantité exacte de lésions bénignes, je me rappelais qu'il s'agissait de 3 malades sur les 40. Et finalement, la plupart de cette lésion, c'était un nodule cicatriciel, une adénopathie. Et il ne me semble pas qu'il y ait un marteau-condrome ou autre. Donc, toutes les lésions bénies, 6, absolument 6. Hein. Je ne me rappelle plus de ce détail-là. Donc, oui, ouais, c'est 12%. Hein. Qui est considérable. Alors, voilà. ce n'est pas considérable, figure-toi, parce que justement, si je te taquine un peu là, sur ces chiffres-là, c'est que tu as très peu de données dans la littérature là-dessus. Hein. Ça fait partie des zones que l'on met sous le tapis. Moi, je peux te donner les chiffres marseillais dans la situation exacte que tu décris là. Nous, c'est 14% de diagnostic de bénignité, et sur ces 14% de bénignité, il n'y avait que 2% de gestes vraiment futiles. Parce que quand tu enlèves un nodule qui s'avère être une tuberculose ou un problème aspergillaire ou je ne sais quoi, ça contribue à la prise en charge du malade, ça modifie sa prise en charge ou au moins sa surveillance. Et donc, ce n'est pas futile, hein, c'est utile. Par contre, 2%, ben voilà, c'est un chiffre qu'on essaye de connaître pour pouvoir justement fixer un certain nombre de seuils au terme desquels on va juger les programmes de dépistage. Parce que tu penses bien que ça va être, si on développe la chirurgie pour des nodules sans diagnostic, ça va être un des éléments qu'il faudra, un indicateur d'alerte quand même, à le dire l'HAS, sur cette chirurgie. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors justement, c'est un petit conseil que je te donne pour la rédaction de ton manuscrit. Je crois qu'il faut au départ que tu précises bien si tous ces malades qui ont été opérés répondaient bien aux indications de documentation histologique selon les recommandations de la Flechner Society, hein, parce que je crois que c'est important que les algorithmes soient respectés. Quand on voit la série d'un peu haut, on voit quand même que dans... plus de 2/3 des cas, tu avais eu un diagnostic de malignité. Donc, ça veut dire que les malades ont été bien screenés. Pour info, hein, on considère qu'un programme de dépistage est justifié quand le risque individuel de néoplasie est supérieur à 10%. Donc, voilà, on est très, très au-dessus de tout ça. Donc, mais je crois que c'est vraiment important de le préciser. Alors, autre petit point aussi, tu l'as bien dit tout à l'heure en disant quand la tumeur est un peu profonde, on va faire une mauvaise wedge. C'est pas parce qu'on appelle ça en anglais que c'est plus élégant qu'une résection, une bougnectomie en bon français, et qu'on va se retrouver finalement avec un diagnostic instantané qui pourra être un diagnostic de bénignité, mais il ne faut jamais oublier qu'au départ, c'est quelqu'un qui est allé au bloc opératoire parce qu'il avait un risque individuel élevé d'avoir une néoplasie. Et donc, après la chirurgie, eh bien, il y a un futur. Et ce futur, ça veut dire que ce malade va continuer à être éventuellement surveillé. Et comment surveiller quelqu'un qui a
des séquelles liées à une mauvaise wedge résection avec des troubles de ventilation, ça peut se traduire par une perte de chance. Et donc ça, c'est aussi un argument pour le troisième élément, puisqu'on a parlé de diagnostic préopératoire, de diagnostic péropératoire, et puis il y a une situation pragmatique dont il va falloir quand même un jour ou l'autre définir les bornes, c'est ce qu'on appelle le diagnostic post-opératoire, c'est-à-dire qu'on va faire une chirurgie qui sera à la fois diagnostique et thérapeutique, comme par exemple la segmentectomie curage d'emblée, et puis on va attendre les résultats définitifs. Pourquoi on va les attendre? D'abord parce que l'ABE n'est pas forcément pertinente, avec les réserves qu'on a déjà émises sur la petite taille. Il y a aussi des vraies difficultés histologiques de raisonner avec une lame qui a été vaguement colorée avec du bleu, répondre en 3 minutes. C'est source de beaucoup d'échecs, de beaucoup d'erreurs, avec la nécessité de réintervenir, par exemple, avec un diagnostic initial de bénignité qui est transformé en malignité secondairement. La réintervention, je pense que c'est l'incident le plus délétère de cette documentation histologique péropératoire. Le fait d'être obligé d'y revenir parce que le diagnostic péropératoire était inexact est quand même un élément extrêmement délétère. Là. Deuxième question, est-ce que vous avez eu cette situation, c'est-à-dire vous avez bien localisé le nodule, vous l'avez bien enlevé, on vous a dit que c'était bénin, et secondairement, vous avez eu un diagnostic de malignité. Alors, je pense en particulier à un malade, un malade qui est dit bon, on en est resté à une wedge parce qu'il avait une mauvaise fonction respiratoire. Bon, on est entre nous là, hein, Simon, on sait bien que ça tient pas trop, hein, que pour être une contre-indication à une segmentectomie ou à une lobectomie supérieure, il faut y aller. Hein. Donc, c'est probablement pas ça qui s'est passé. Explique-nous. Et donc, en fait, on a été dans la situation dont on avait discuté préalablement avec Agathe, c'est-à-dire qu'on avait une résection qui était correcte, une marge par rapport à notre nodule qui était supracentimétrique, on était satisfait, mais le pathologiste qui a refusé de faire l'examen extemporané parce que la lésion n'était pas palpable, parce qu'il risquait d'allumer le prélèvement et parce que le diagnostic derrière s'en trouvait impacté. Donc effectivement, 6 semaines après, qui est la durée moyenne d'obtention de la pathe à Rennes, on a eu un diagnostic de tumeur invasive avec une marge qui était de mémoire de 15 mm. Et donc on a rediscuté de ces éléments en RCP et tous ensemble, pneumologue, chirurgien, oncologue, radiothérapeute, on a considéré que compte tenu de notre marge, compte tenu du délai par rapport à la chirurgie initiale et compte tenu de l'état général du patient, qui c'est vrai, n'était pas parfait, certes autorisé une chirurgie, mais une réintervention pouvait s'avérer complexe. Et donc à ce titre, à la lumière de l'ensemble de ces éléments, on a jugé raisonnable de poursuivre une surveillance et si d'aventure développer une récidive tumorale, hein, on ferait le geste ad hoc si besoin était. Oui, alors tu es arrivé petit à petit dans le filet que je te tendais, hein, puisque c'est clairement une situation d'échec, puisque pour le malade suivant, pour lequel il y aurait un risque équivalent, eh bien, tu as des alternatives, parce que ce que tu as fait avec une wedge résection, c'est ni plus ni moins ce que fait un radiothérapeute avec une radiothérapie stéréotaxique, ou un radiologue qui va te dire, de toute façon, nous, on va mettre une sonde, on va faire une radiofréquence, puis si ça vous amuse, on fera quand même une biopsie en démarrant la procédure. Donc, c'est une situation d'échec chirurgical, puisque le traitement du cancer du poumon, c'est une résection anatomique et un curage ganglionnaire, c'est pas une wedge résection. Hein. Voilà. Ma décharge, et je pense pouvoir avoir fait mieux en ayant fait ça que mes collègues radiothérapeutes, c'est que on a une résection qui était complète, donc le petit contingent de 0,0% du radiothérapeute de tumeur qui va rester, ce ne sera plus le cas avec le wedge, et surtout on a un diagnostic histologique, on sait que c'était du cancer. Donc, si jamais il développe une maladie métastatique dans un second temps, on pourra mettre en place une thérapie ciblée, on pourra lui mettre une immunothérapie en connaissance de cause. Et d'autre part, on a fait une stadification, une TNN, c'est-à-dire qu'on l'a fait, même si j'en suis tenu à une wedge résection, j'ai fait un curage ganglionnaire extensif, comme on le fait systématiquement dès lors qu'il y a un potentiel diagnostic de cancer. Donc, à ce titre, je pense avoir fait mieux qu'un collègue radiothérapeute. Bon, c'est bien, je vois que tu avais préparé ta réponse, alors on pourrait comme ça discuter
pendant 2 heures parce que tu as fait un curage extensif de tous les ganglions sauf les ganglions du premier relais. Hein. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là. Non, mais simplement pour dire que ça nous positionne, cette situation nous met dans des situations qui vont un peu en contradiction des fois avec les grands principes de la chirurgie oncologique. Et c'est vrai que ce que disait Anne et ce que disait Agathe est vraiment à prendre en considération, mais pour l'instant, il n'existe pas de recommandations précises, comme il n'existe toujours pas d'ailleurs de recommandations précises sur les indications, limites et résultats de la biopsie extemporanée en chirurgie thoracique. C'est quelque chose qu'on avait essayé de stimuler il y a une dizaine d'années via la société, c'est toujours vu opposer un refus de la part des collègues anatomopathologiques. Enfin, bon, il y a nécessité d'avoir quand même des recommandations précises sur quelle est la place de la résection anatomique d'emblée sans documentation histologique péropératoire. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a les réserves, enfin les limites qu'exposait Agathe tout à l'heure, mais c'est vrai que ça plaide quand même beaucoup pour développer au maximum toutes les techniques de documentation pré-op par rapport aux méthodes de documentation pair-opératoire. Bon, écoute, voilà, c'était un petit peu les réflexions que je voulais partager avec toi. Je pense que c'est un travail qui est assez essentiel dans le domaine. Tu as un peu évoqué l'avenir et donc l'intégration de ces méthodes dans le cadre d'une prise en charge beaucoup plus globale, l'intégration de la robotique. J'ai bien aimé aussi tes réflexions à propos de la chirurgie robotique, hein, qui sont quand même aussi qui argumente contre ce qui est le modèle qui nous est un peu imposé du modèle Da Vinci. Hein. La robotique, c'est pas que Da Vinci. Il y a d'autres modèles alternatifs, notamment beaucoup plus, on va dire, moins encombrants pour les salles opératoires, qui s'intègrent beaucoup plus facilement dans une salle hybride, qui permettent de faire que certains temps de l'intervention par une technique robot-assistée, et qui sont probablement aussi des développements technologiques qui se marierait plus avec tes techniques que tu évoques, que tu as travaillé, que le système Da Vinci classique. Et en tout cas, félicitations, hein, pour ce travail. J'aurais une dernière question qui est très personnelle. Alors, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais je pense que tu as un cursus scientifique qui est quand même extrêmement solide. Tu as à côté de ça un cursus professionnel qui n'est pas facile, puisque tu fais partie des rares chirurgiens de notre discipline polyvalent, si on peut dire, c'est-à-dire capable de faire de la chirurgie vasculaire, cardiaque et thoracique. Donc c'est un modèle qui est un modèle très présent dans l'ouest de la France, mais qui est assez unique, on va dire, hein, et qui est bon, voilà. Donc bravo pour ça, mais quid de ton cursus scientifique, c'est-à-dire que l'étape d'après, normalement, c'est l'HDR. On voit qu'il y a matière, puisque tu as des projets, tu as de l'argent. Alors, ce n'est pas 580 000 kilos euros, hein, comme le disait Monsieur Verroy, parce que ça ferait 580 millions d'euros, si je compte bien. Voilà. Je pense qu'il y avait déjà 580 000 euros, c'est pas mal pour stimuler quelques thèses et quelques masters. Je suppose que tu vas quand même être à la direction ou à la co-direction de tous ces masters, donc tu auras matière à passer une HDR. Est-ce que ça fait partie de tes projets? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à cette question. Et je dois avouer que ma pratique actuelle, très axé sur la clinique, le bloc opératoire, sur deux sites, et mes impératifs familiaux avec trois enfants me font beaucoup réfléchir sur mes impératifs universitaires. C'est-à-dire que, non pas que je choisisse la facilité d'être uniquement un clinicien, mais je pense que pour être un bon clinicien, un bon professeur, encadrer correctement les travaux de thèse, c'est énormément de travail, énormément de temps,
Et à l'heure actuelle, c'est un équilibre que je n'arrive pas à trouver. Le temps que j'ai mis à écrire et concrétiser ce travail, il illustre bien, hein, je l'ai initié en 2016, on est en 2022. Et mon appétence pour le travail un peu trop parfait m'empêche de faire tout et tout faire moyennement ne me convient pas. Je préfère tout correctement avec des contrôles d'opérateur à jour, avec des correspondants qui ont des réponses de mail au jour le jour. Me demande beaucoup d'énergie et déjà des sacrifices personnels. Donc non, malheureusement, je ne pense pas pousser plus avant mes prérogatives universitaires. Après, je dis ça à un instant T. Il y a un instant T, moins 5 ans, pour moi, je ne voyais pas autre chose dans ma carrière qu'une agrégation et des encadrements. Donc peut-être que dans 5 ans, il va nouveau faire volte-face et soutenir une HDR, faire une mobilité. C'est en discussion, ça, pourquoi pas à Montréal. Disons que je ne me ferme aucune porte. À l'état actuel des choses, en dehors de la mobilité, je ne prévois rien pour satisfaire des impératifs universitaires. Bah écoute, je te remercie de cette réponse. Moi, ça fait très longtemps que je suis convaincu de ce que tu viens de dire, parce que bon, moi, j'ai 62 balais, je ne suis pas arrivé hein, à faire tout bien. J'ai eu l'impression d'avoir fait tout mal, et puis la vie est passée. Par contre, ce que tu dis, tu n'es pas le seul à le dire, c'est toute ta génération qui le dit et qui devrait nous pousser, pour autant qu'on ne veuille pas occuper des postes nationaux pour s'asseoir et user de son pouvoir. Mais si on voulait vraiment faire évoluer les choses, il faut arrêter avec les statuts de HU titulaire à vie. Il faut proposer des contractualisations, parce que les gens de ta génération disent tout ça. On veut bien être, par exemple, professeur, mais pendant 5 ans ou 10 ans, qu'on va choisir, on va choisir de privilégier tel ou tel aspect. Et ensuite, un peu comme le système américain, et tout le monde pleure de chaudes larmes sur le manque d'attractivité des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires en France actuellement, mais ça, c'est une réponse évidente que personne n'a le courage de résoudre pour défendre des statuts qui sont complètement obsolètes. Voilà. Bon, bah, ça déborde un peu le sujet de ta thèse, mais je te remercie de ton honnêteté. Je crois qu'il faut t'écouter, parce que vous êtes beaucoup dans cette situation, et c'est pas une question, comme tu l'as dit, de motivation, c'est une question de choix. Et une vie professionnelle comme une vie personnelle ou familiale, c'est une question de choix successifs, et c'est très important de respecter tous ces temps-là. Alors maintenant, je me tourne vers monsieur Dylan Seguer. Est-ce qu'on se retrouve? Non, finalement, on va rester ici et on va demander au. Ah, d'accord. Donc, on n'utilise pas l'autre lien de connexion. Hein. Ici, on va juste demander.
Bon, monsieur Thomas, il y a le public qui rentre. Tout le monde est là. Y aller. Vas-y. Bon, docteur Simon Rouzet, donc bien tu as présenté avec brio et avec succès ton travail de thèse, hein, qui le jugement du jury est unanime. À titre personnel, je dirais que à côté du travail, il y a le cursus que je trouve très intéressant et très brillant. Tu sais qu'il n'y a pas de mention à l'université de Rennes pour la thèse d'université, c'est comme ça, donc c'est, la réponse est binaire, oui, non, ben là c'est oui. Ça ne nous empêche pas d'y associer les félicitations du jury à titre collectif et tout le monde à titre individuel. Donc félicitations pour ça et je laisse la salle hurler sa satisfaction. Alors, te voilà maintenant affublé du titre de PhD, hein, qui veut dire docteur en philosophie. Donc, alors, félicitations pour ça. Et puis, écoute, bonne route pour la suite. Moi, je t'encourage quand même à poursuivre la réflexion que tu as ébauchée tout à l'heure sur ton cursus scientifique, parce que tu as vraiment toutes les qualités, pas simplement intellectuelles, scientifiques, mais aussi morales. Pour encadrer des jeunes et leur montrer la difficulté, mais aussi l'intérêt de travailler dans un endroit où on fait de la recherche clinique, peu importe les statuts actuels qui, je l'espère, comme tu l'as compris, vont évoluer. Bravo, félicitations, et puis à très bientôt. Félicitations, Simon. Merci beaucoup. Ciao. Un petit mot, je tenais à remercier tout le monde, tous les membres de jury, mes directeurs, tous mes collègues évidemment qui m'ont soutenu, qui m'ont épaulé au quotidien, et un remerciement vraiment tout particulier à Pablo, comme il a très bien souligné, c'était ma conscience scientifique, c'était mon Jimmy Cricket. Qui m'a guidé dans ce travail, qui m'a permis d'appréhender des notions dont je n'avais absolument pas conscience, et comprendre des choses que je n'avais pas souhaité, pas espéré comprendre. Donc un grand merci, c'était vraiment un voyage, plus que la destination, c'était le voyage qui était agréable, et merci beaucoup à tout le monde et merci à Pablo. Simon, félicitations, c'était vraiment un plaisir. Bravo. Bien, merci à tous et puis bon appétit. Merci, bonne journée. Salut, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et bravo.